C'est Noël. Fait magnifique à l'extérieur et c'est la date limite des transactions et coup de théâtre. Alors que je m'attendais et que vous attendiez tous à ne pas voir le Canadien bouger, le Canadien a fait plaisir à tout le monde. Terminé les ménages à trois. Jake Allen est parti. Bien sûr, on va en parler. On va parler beaucoup, beaucoup, beaucoup de cette date limite des transactions. On va parler beaucoup, beaucoup, beaucoup du Canadien de Montréal. On va parler beaucoup, beaucoup, beaucoup des sujets qui vous font plaisir. Et il y aura également un événement en fin de semaine. On va en parler également. Un événement, je pense, qui retiendra l'attention. Ben Roger, ça va bien? Bonjour Martin, ça va très bien, toi-même? Content d'être en présentiel sans satellite. Non, sans satellite, ça, c'est une très bonne chose. Satellite qui a rendu l'âme hier soir, d'ailleurs. Non, je te l'ai dit, quand je vais te voir en personne, je vais t'en donner rien. Ouais, mais regarde, il y a d'autres choses en attente pour toi, mon petit chou. Ah ouais. Je te dis ça de même, ton satellite, là, t'as pas fini d'en entendre parler. C'était difficile hier. Ah! Question pour vous, les gars. Parmi les gardiens de but qui ont été transigés à la date limite des transactions, je parle attends, la journée même. As-tu un meilleur quiz qu'hier? Combien ont remporté un match en finale de la Coupe Stanley? Tu nous l'as demandé hier! Je sais, génial. Zéro? Je blague. Zéro! Fatiguant! Dans ce quiz complètement... C'était quoi ta première question déjà? Là? Qui était interminable. Combien de joueurs avaient été acquis? Non, t'avais donné un chiffre, là, me semble. Ah oui, ouais. 16. Ah, okay. Non, c'est quelque chose comme 1600 ou 1500 quelque chose. Le nombre de joueurs transigés. À la fameuse date limite des transactions. J'ai hâte que ce soit fini, cette date-là. Ouais. Non, mais elle est finie, Ben. Ouais, ouais, c'est fini. Il est 3 heures, on ferme. Il est 3 heures, on ferme. On va voir les dernières transactions qui vont rentrer dans quelques instants. Kent Hughes sera en direct live, ici même à BPM Sport. On a hâte de vous présenter ça. Et également, on va voir le BPM Sport s'affronte. Un choc de titan avec des questions très d'actualité, je vous dirais. Donc, manquez pas ça. Et toute une surprise avant la fin de l'heure. Nous aurons un ex-directeur gérant qui... Bon, je vais dire, qui va donner sa première entrevue depuis qu'il n'est plus en poste. As-tu d'autres indices? C'est tout. On peut pas en donner plus. OK, d'accord. Je m'appelle pas Éric Auziel, là. OK. On va écouter le show. Merci d'être là. J'ai adoré mon passage à Québec hier. Au 100,9. Et Gatineau, Ottawa, salutations. Merci d'être avec nous. Au 96,5. Également à Montréal. Au 91,9. Merci beaucoup d'être là également à l'application mobile et sur YouTube et notre page Facebook, on est là également. Juste avant qu'on donne la place aux acteurs principaux comme Kent Hughes et notre surprise, faut que je vous parle. Le point de Martin. Ah, il n'y aura pas de transaction, ça va être traqué. Je vais vous avouer, là, pour le club du matin, pour moi qui étais à la télévision depuis 7 heures ce matin, c'était pas très occupé. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous me croisez dans la rue puis vous me dites « Hey, je ne veux pas te déranger », voici ce que je vais vous répondre. T'as plus de chances de tanner de me parler que moi je me tanne. Oh, attends une minute. Amélia fait des grands signes. Il y a sûrement une transaction. C'est une transaction? Ça, c'est les signes d'Amélia comme quoi qu'il y a une transaction. Mets-tu une alerte? Alerte transaction. De ce que j'ai vu passer, je ne connais toujours pas le retour, mais Jack Roslovic a été échangé aux Rangers de New York, des Blue Jackets aux Rangers. On ne sait toujours pas c'est quoi le retour dans son cas, mais on va se préparer bientôt à recevoir le point de presse de Kent Hughes et je vais m'informer davantage là, sur les dernières nouvelles. Ça, c'est ta danse, Amélia, pour Jack Roslovic? Quand Jake Allen a été échangé, t'as dû vouloir le pitcher en bas. Ça y est, là par là. Elle t'a fait une danse, mes amis. Non, mais je pense que c'est autre chose. Est-ce qu'il y a une autre alerte, Fix? Est-ce que je t'envoie une autre alerte? Oui, une autre transaction. Alerte transaction. Thomas Hurtle a été transigé aux Golden Knights de Vegas. Nouvelle qui vient de tomber. On ne sait toujours pas le retour. Les transactions commencent à arriver. Là. Il y a de plus en plus de transactions avant 15h qui sortent. Mais on ne connaît toujours pas le retour, mais une autre grosse acquisition pour les Golden Knights de Vegas. Ça, ça commence à être ridicule, quelque chose de rare. Et là, on est, tu sais, nous autres, on rentre en onde, puis on fait, tu sais, dans notre tête, on fait chaud de 3 à 6, mais on est en train d'oublier qu'il reste une minute à la date limite des transactions et ça va rentrer au fur et à mesure. Et de voir que les Golden Knights ont réussi à placer autant de personnes sur la liste des blessés à long terme, Thomas Hurtle, tu avais raison de danser, Amélia.
les Golden Knights, aussitôt que tu as du talent, que tu mesures en haut de 6 pieds 2, Ertl, Hanifin, et voilà. Et ils sont en train d'essayer de se pacter un club en vue des séries. Eux qui sont meilleurs deuxièmes en ce moment, là, ils sont même pas sûrs de faire les séries au moment où on se parle. Donc, toute une transaction. Je vais prendre deux secondes pour vous parler quand même. Là. Vas-y. T'étais parti dans ton point là, sur les transactions. Pis... Oui, puis on avait lancé le thème. Hein? Oui, on avait lancé le thème. J'étais parti pour de vrai. T'étais parti. Fait que tu sais, quand les gens m'arrêtent et ils disent « Je m'excuse de te déranger, puis papapi, papapa », je réponds toujours la même chose. « Ben, tu sais, tu vas te tanner de me parler avant moi. » Moi, parler de hockey ou parler de sport, c'est ma passion. Et être assis pendant 4 heures, le monde qui m'écrivait « Pauvre Martin, 4 heures, une seule transaction, puis une poche à part de ça, là, cousinette sauve. » Le monde m'écrivait « Pauvre Martin, ben non. » Moi, là, j'ai tout le terrain de jeu. Je peux te parler de tous les transactions. Je connais tous les joueurs, autant qui sont partis d'un bord, qui sont venus de l'autre, les choix de pêchage, les conditions. Je suis heureux comme un roi. Et je le savais, je m'en doutais que je ne sais pas ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey. On est all-in depuis... tu sais, il y a 6 équipes dans l'Ouest qui pensent qu'ils peuvent gagner la Coupe Stanley. Il doit y en avoir 3 ou 4 dans l'Américaine. Dans l'Est qui pensent qu'ils peuvent gagner la Coupe Stanley. Tout le monde y va. Et la transaction la plus que je comprends pas, c'est Kuznetsov. On le paye presque 8 millions pour qu'il soit dans la Ligue américaine. Puis... les Hurricanes ont levé le doigt puis ont fait « Hey, nous autres, on va aller te chercher. Paye la moitié, puis nous autres, on va payer l'autre moitié, puis on va même le prendre l'an prochain. » Je le sais qu'il a déjà été pris avec des photos avec de la cocaïne sur la table. Je le sais qu'il est gros, comme dirait Gilbert, un fat cat, puis qu'il se traîne les bottines depuis le début de l'année. Je le sais que vous l'avez envoyé en réadaptation dans le programme d'aide de la Ligue nationale de hockey. Mais moi, je vais vous sauver ça. Puis en plus, je vais vous donner un troisième choix. Ça, département de... je la comprends pas. C'est mon summum. La transaction de Jake Allen, beaucoup ont crié au génie. J'ai un groupe message texte avec les gars de mon pool. Wow, quelle performance de Kent Hughes. Moi, au début, j'ai fait, ben voyons donc, pourquoi? Parce que les attentes étaient nulles. Souvenez-vous, les informations que Mathias avait, Pierre Lebrun, tout le monde, aucune demande pour Jake Allen. Non seulement il n'y a pas de demande, il va falloir que tu payes pour te débarrasser de Jake Allen l'été venu. Non seulement ils n'ont pas payé, mais ils ont reçu un troisième. Attends une seconde. Le Canadien paye quand même la moitié. Si le Canadien avait récupéré du salaire pour aider une transaction à être facilitée, le Canadien aurait récupéré un troisième, un quatrième ou un cinquième choix. Là, le Canadien récupère un 3, puis l'argent qu'ils retiennent, c'est la leur. C'est le mauvais contrat que Kent Hughes a donné. Fait que bravo, tu t'es débarrassé du problème sans payer. Mais tu payes pendant 2 ans sur ton cap cette année et l'an prochain le contrat de Allen. C'est correct. Mais on ne criera pas au génie, là. Tu cries au génie? Je crie pas au génie, mais écoute, ça fait longtemps qu'on parle du ménage à trois devant le filet. On n'arrête pas de dire qu'il était temps que ça prenne fin. T'auras ton moment plus tard. T'auras ton moment plus tard. Je peux pas croire. Ah ouais, tu penses ça, toi? On va reparler hein, de ça, Ben. Ah oui. On se prend une petite note mentale ici. Et le coup de génie, tout j'ai de dire. Appelez-les les tricheurs. Les Golden Knights qui rajoutent Hanifin, Thomas Ertl. Il y a d'autres transactions de génie que je trouve qui ont été faites, que ce soit le Colorado. Ce qu'ils ont fait hier. Eux, ils n'ont pas attendu à la date limite aujourd'hui des transactions. Dans les coups de génie également. C'est Ben qui disait tantôt, Tyler Toffoli. Un gars bon dans le vestiaire qui peut marquer des buts. Ça a coûté 2 choix de pêchage. Il n'y a pas de premier choix là-dedans non plus. Il y a des équipes qui ont fait des bons coups. Puis les séries éliminatoires, si vous tripez sur le hockey et pas juste sur le Canadien de Montréal, maudit qu'on va avoir du fun. Point. Normalement, à cette heure-ci, on aurait le BPM Sport s'affronte. BPM Sport s'affronte, ils sont là. Ils sont sur... le hold, le stand-by, sont en attente de Kent Hughes. Kent Hughes sera devant les médias dans quelques instants. Ouais, 15h10 précisément. Ah! Oh, 15h10, ouais. Confirmation. OK. Donc, dans 7 minutes. Parfait. Faisons le tour des transactions qui ont eu lieu aujourd'hui. Les gens s'en vont en week-end. C'est sûrement le dernier week-end de votre lâche avec les kilos. Et vous étiez un peu à gauche, un peu à droite. On va vous donner les principales transactions qui ont eu lieu depuis... le début de la journée. Puis si jamais le temps nous le permet, on pourra même revenir sur les précédentes. Mais ça a terminé hier soir avec celle de Hanifin,
que les détails se sont réglés aux alentours de 23 heures quelques pouces. C'est quand même un bon prix payé par les Golden Knights pour obtenir Anafin. On se réveille ce matin, puis on se ramasse avec une transaction que je parlais tantôt, que je ne comprends juste pas partout. Effectivement. Puis, ben moi, dans le cas de Kuznetsov, par contre, si on parle de cette transaction-là, je trouve que c'est un bon pari pour les Hurricanes de la Caroline. Je sais que tu n'es entièrement pas d'accord avec moi. Entièrement pas d'accord. Mais on paye 50% du salaire. Kuznetsov, je connais on connaît tous son historique, le programme d'aide aux joueurs également un peu plus tôt cette année. Par contre, c'est un joueur qui a déjà remporté la Coupe Stanley. Chez les Hurricanes, on a une tendance à aller chercher des fois des gars à problème, mais on réussit quand même à faire quelque chose avec ça. Là, j'ai vu que Tony DeAngelo avait été cédé au balotage un peu plus tôt aujourd'hui, mais Tony DeAngelo, on a quand même fait son acquisition. On n'a pas peur d'aller chercher des joueurs peut-être à caractère problématique. Je suis zéro d'accord avec toi. On est cheap. On paye pas de choix au premier choix au repêchage. On est cheap. La preuve, c'est qu'on a eu de la quantité au lieu de la qualité aux Penguins de Pittsburgh pour Jake Guentzel. Puis ça a fait l'affaire des Penguins de Pittsburgh. Mais pour qu'ils donnent leur premier choix, faut qu'ils gagnent la Coupe Stanley ou faut qu'ils soient en finale de la Coupe Stanley. Je pense qu'il faut qu'ils gagnent la Coupe Stanley. Tout à fait. Alors eux, ils se disent, va peut-être donner mon premier si je gagne la Coupe. Puis qui voudrait pas donner son premier choix s'il n'est pas assuré? Tu sais, tu gagnes la Coupe, te donnes ton premier choix, je m'en sac. De te donner mon premier choix, j'ai gagné la Coupe. Sont cheap, sont pleins à rebord d'excellents espoirs. Puis ils veulent pas les donner. Non, ils veulent pas les donner. Et au lieu d'avoir payé un premier choix pour aller chercher Sean Monahan, tu t'imagines les Hurricanes avec Sean Monahan? Ben là, on va prendre une chance avec un gars que son équipe, avec qui il est depuis le tout début, le payait 7,9 millions de dollars pour qu'il reste dans la Ligue américaine. Écoute, c'est... Puis eux autres sont arrivés. Mais à la moitié du salaire, tu prendrais jamais Kuznetsov dans ton équipe pour un choix, exemple, de troisième ronde. L'as-tu joué cette année? Non, cette année, je vais être honnête avec toi. Moi, cette année. C'était-tu pas contre le Canadien, en plus? Aucun coup de patin, là. En stats avancées, il est le pire joueur en taux d'efficacité à 1%. 1% d'efficacité. 1 sur 100 d'efficacité. Je me sens comme... Mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire. L'humoriste le matin qui est Mitt Romney. François Maranda. 1 sur 100 d'efficacité. Pas en forme. Là, il est allé sur le programme d'aide. Mais il y a un nouveau défi devant lui. Un nouveau défi. Ça peut être encourageant. Le premier défi qu'il devrait avoir devant lui, c'est de prendre charge de sa vie. Ça devrait être le premier défi. Clairement. Mais je vais te poser une autre question. Si ça marche pas, on est d'accord, Brenamo va le sacrer dehors avant la fin de l'année. Tout à fait. Fait que ça va être qui, deuxième centre? On n'a plus. C'est Jack Drury ou c'est Kotkaniemi. Kotkaniemi est rendu sur le quatrième trio. Mais non. Tu gères des millions. Tu t'en vas pour la Coupe Stanley. C'est sérieux. Paye. Va te chercher un vrai centre. Là, tu y vas avec des économies de bout de chaleur puis tu fais, on va essayer Kuznetsov. Hey, pour vrai, là. Moi, je donne mon opinion. Puis si pour vous autres, c'est bien parfait parce que si je me trompe, vous allez pouvoir me planter. Vous êtes les bienvenus, là. Jake Allen, basé sur toutes les informations qu'on avait, on vous a dit qu'il n'y a aucune valeur. Et c'est ce qui nous était rapporté. Puis visiblement, les Devils du New Jersey ont paniqué quand ils ont vu que Mark Strom ne partait pas. Ils se sont tournés de bord puis ils sont allés vers Jake Allen. Puis ils pensent vraiment qu'il va pouvoir aider l'équipe parce qu'il y a une clause de 40 matchs l'an 40 prochain. 40 matchs, exact. Fait qu'on pense vraiment qu'on va l'utiliser peut-être moitié-moitié avec Vitek Vanecek, qui reste un an de contrat. À moins qu'on échange Vanecek pour aller en chercher un autre, que ça soit un autre et Allen le gardien de but l'an prochain. Ici, bref. Je te dis que les Devils sont à 6 points des séries avec l'acquisition de Jake Allen. Aucune chance que les Devils participent aux séries éliminatoires. Toi, c'est ce que tu dis? Moi, je dis que les Devils ne vont pas participer aux séries éliminatoires. Ils viennent d'échanger également Colin Miller, le défenseur. Là. Mais je vois pas... Puis avec le départ de Dyler Toffoli non plus, je vois pas cette équipe-là compétitionner pour faire les séries cette année. L'an prochain, c'est une autre discussion, mais pour cette année, là, je vois pas du tout les Devils participer aux séries. C'est peut-être Patrick Roy. Et les Islanders qui sont à 2 points avec 2 matchs en main. Là, ça va être une belle lutte là, avec le Lightning de Tampa Bay et les Flyers de Philadelphie. Quoique pour les Flyers, ça va vraiment bien aussi dernièrement. C'est pour le Lightning que c'est plutôt difficile. Les Red Wings sont dans le mix aussi pour participer aux séries éliminatoires. Par contre, faut dire que Lou Lamoriello n'a pas levé le petit doigt aujourd'hui pour aider Patrick Roy à se qualifier en série. Là. A pas donné un petit push supplémentaire à son entraîneur-chef pour permettre aux Islanders de participer aux séries. Est-ce que ça va pour autant empêcher les Islanders d'y participer? Peut-être pas, mais si je suis
Lou Lamoriello, j'aurais peut-être essayé d'aider Patrick d'une quelconque mesure pour aider cette équipe-là à être en série. Donc, jusqu'à maintenant, il n'a pas bougé. Pas bougé. À moins que quelque chose nous sorte... Exact. C'est surprenant, ça. OK, donc, allons-y. Allons-y avec, avec les transactions. Bon, on va prendre les principales, là. Parce que... Il y en a beaucoup. Ouais, puis Benoît, t'es toujours à l'affût là, pour voir aussitôt que Quint Hughes arrive. Je te vois aller travailler. Là. Travaille fort pour être certain qu'on ne manque pas une seconde de Quint Hughes. L'autre transaction importante, c'est Tyler Toffoli pour un troisième choix cette année et un deuxième choix en 2025. Les Devils gardent 50% du salaire de Tyler Toffoli. Excellente acquisition. Excellente transaction. J'ai écouté Kevin Cheryl-Dayoff qui disait, nous, là, tu sais, parce qu'on disait, ah, vous avez besoin peut-être d'un ailier droit, un défenseur droit. Il dit, on a besoin d'un gars qui fit dans le vestiaire. Parce qu'on a un vestiaire incroyable. Il a mis l'emphase. Monahan est venu appuyer ce vestiaire extraordinaire. Puis quand tu fais l'acquisition de Toffoli, ben c'est ça que tu fais acquisition. Tu fais acquisition, oui, d'un droitier qui est capable de marquer des buts, qui a l'expérience, qui a gagné la Coupe Stanley, mais tu vas chercher un gars de vestiaire. Mais faut dire là, le travail de Kevin Cheveldayoff depuis le début de la saison, là, depuis l'an dernier, là, si on va à la période du repêchage, cette fameuse transaction Pierre-Luc Dubois, et on a acquis des éléments clés dans cette transaction-là. Évidemment, Gab Vilardi, le premier nom qui vient en tête. Mais quand on regarde les transactions de Kevin Cheveldayoff depuis ce moment-là, sérieux chapeau, parce que on a sorti le bois mort du vestiaire. Qu'est-ce qui faisait en sorte qu'au sein de l'alignement des Jets, ça allait vraiment mal, puis qu'en séries éliminatoires, on s'est fait éliminer facilement au premier tour. On a sorti les mauvais joueurs de ce vestiaire-là. On a acquis des éléments clés et on retrouve une équipe des Jets de Winnipeg qui est complètement transformée cette saison. Chapeau à Kevin Cheveldayoff qui a fait un travail remarquable et qui n'a pas donné... Nouvelle de dernière seconde. Le Canadien a effectué des transactions papier avec Joshua Roy et Jaden Struble qui sont admissibles à retourner avec le Rocket de Laval. Je répète, Joshua Roy et Jaden Struble sont maintenant disponibles pour retourner avec le Rocket. Dans le fond, pour les gens qui ne savent pas, avant 3 heures, il fallait que cette paperasse-là soit effectuée pour que ces joueurs-là aient le droit de retourner du côté de Laval. Donc, Joshua Roy et Jaden Struble pourront être retournés. J'en ai parlé plus tôt également. Vous savez, Kovacevic est laissé de côté. Lane Hudson, s'il s'en vient, ça veut dire que t'en sors un autre. Ça a des chances d'être Struble ou Harris. Harris va bien par les temps courts. Et que dire de Jack Eye? Est-ce que tu veux vraiment que Struble soit dans les gradins en train de manger un popcorn pour regarder Lane Hudson faire ses débuts? La réponse à ça, c'est non. Donc, pourra aller gagner des matchs avec le Rocket de Laval et surtout les aider. Harris ne pouvait pas passer par là parce qu'il devait passer au balotage s'il aurait été cédé du côté de Laval. Joshua Roy, quand même, avec les derniers matchs qu'il a connus, il a été, écoute, il a été sensationnel encore. On veut qu'il prenne du millage, on veut qu'il gagne en série, qu'il gagne au moins une série, deux séries. J'accélère parce que Quint Hughes, c'était supposé être à 10, mais là, avec la nouvelle du Canadien, peut-être que ça explique pourquoi il n'est toujours pas disponible. Ça serait intéressant de voir le Quint Hughes qui s'en vient dans quelques instants. S'adresser, puis on va vous diffuser le point au complet. Je passe rapidement par-dessus Pat Maroon, Kalok Posso, surtout un code de Posso, je ne l'ai pas compris. Pat Maroon, je peux comprendre. Rubidel, qui passe des pingouins aux Rangers, c'est le fun, mais non, on ne fera pas une émission de radio là-dessus. Jason Zucker, incroyable. Pour Jason Zucker, Prédateur de Nashville ont payé seulement un 6e choix en 2024. Pourtant, André avait été élogieux envers Zucker. Klim Kostin quitte les Red Wings, il avait pris une chance de ce côté-là, s'en va du côté de San Jose. C'est Radim Simek qui s'en va de l'autre côté, encore une fois une transaction de profondeur pour les séries. Les Red Wings ont été tranquilles également dans cette date limite des transactions. Transaction importante, on en a parlé, celle de Jake Allen qui passe des Devils du New Jersey qui s'en va aux Devils du New Jersey. Le Canadien va retenir 50% du salaire et c'est un choix conditionnel pour 2025 de troisième ronde qui pourrait devenir un deuxième ronde. Eric Johnson qui était avec les Sabres de Buffalo. Vous vous souvenez, on parlait de quelle équipe détient 3 défenseurs qui ont été choisis tout premier au total. La réponse était les Sabres de Buffalo. Si jamais tu veux faire un quiz, FX. Avec Owen Power, Rasmus Dahlin et Eric Johnson qui avait été un premier choix des Blues de Saint-Louis. Mais là, c'est les Flyers de Philadelphie qui l'ont acquis. On a perdu un défenseur en Walker, donc on est allé chercher un peu de profondeur. On connaît l'identité de la transaction Thomas Hertl qui l'amène à Vegas. Alors c'est officiel et je peux pas croire cette transaction-là. S'il y a bien un nom qui sortait pas là, parmi les
Parmi les joueurs potentiels à changer d'adresse, c'est lui à San Jose. Mais en retour, les Sharks qui mettent la main sur un choix de premier tour en 2025 des Golden Knights. L'espoir David Edstrom, qui a été un choix de premier tour de Vegas la saison dernière, 32e rang total. Il joue présentement en Suède à Frölunda. 17 points en 42 matchs, un attaquant, un joueur de centre de 6 pieds 2. Et parmi les autres éléments acquis dans l'échange, on parle de deux choix de troisième tour. Un en 2025 et un en 2027. Dans le cas d'Hurtle, là, son salaire est quand même très élevé. On parle d'un contrat jusqu'en 2029-2030 et d'un salaire annuel de 8,167 millions de dollars par année. Alors, on s'améliore à nouveau chez les Golden Knights. On n'a pas peur, année après année, d'acquérir des gros noms, des joueurs importants qui peuvent amener une autre dimension à l'équipe, et on le fait à nouveau cette année. Moi, pour moi, là, les acquisitions de Manta, Annie Finn et maintenant Hurtle, c'est... Cette équipe-là n'a pas peur de transiger pour s'améliorer, quitte à se départir de choix de premier tour ou d'espoir de premier plan. On va dire une affaire, ils connaissent tous les détours de la convention collective pour contourner les règles, parce que qui peut ajouter autant de salaire, autant ouais. de masse salariale, ouais. C'est complètement, complètement dément. Hurtle, qui était sur la liste des blessés, qui avait une clause de non-mouvement. Wow, j'ai hâte de voir. Puis tu as raison de dire, là, c'est long encore, le contrat de 8 millions pour Tom Hurtle, qui est âgé de 30 ans. Donc on aura... merci FX pour les détails là-dessus. Acquisition profondeur pour les Rangers. Jack Roslovich s'en va du côté des Rangers. Ouais. Lui qui venait des Blue Jackets de Columbus, un choix conditionnel de quatrième ronde. Vraiment, là, enfin, là, c'était... Écoutez bien ça. Les Coyotes de l'Arizona ont eu un choix... de cinquième ronde en 2027. C'est assez loin, ça? En 2027. Il faut faire 24, 25, 26... Dans 4 ans. Ben a des chances de prendre sa retraite, c'est tôt. 4 ans? Ouais. Oh, 56. Je pense qu'à 56 ans, je vais prendre ma retraite, toi. Ton podcast va être archi-populaire. Tu vas être millionnaire. Tu vas te sacrer nous autres comme dans ah, la 40. Ah ouais, c'est sûr. Vu de même. Mais tu sais, imagine un choix repêchage dans 4 ans. Tu sais-tu dans combien de temps il va patiner, ce gars-là, dans la Ligue nationale? Non. Et ils ont donné leur septième choix en 2025 et Matt Dumba. Encore là, c'est une transaction là, de profondeur là, en vue des séries là, avec Matt Dumba. Ouais, et parmi les autres, il y a eu des signatures aussi aujourd'hui. Burley qui a prolongé 2 ans avec le Kraken de Seattle, un contrat de 4,75 millions de dollars. Alors prolongé 5,75 millions. 4 points. Ben, en fait, c'est 9,5 pour 2 ans. Alors mes mathématiques sont pas excellentes. Mais 4,75, c'est ça que je disais. Pour 2 ans avec le Kraken de Seattle, il y avait des rumeurs de transactions. Faut que je t'arrête. Kent Hughes est maintenant assis. C'est toujours le relationniste du Canadien de Montréal qui est en train. C'est Charles Saint-Don. Charles Saint-Don qui est en train de discuter avec les journalistes. Mais aussitôt que la parole sera donnée à Kent Hughes, on va aller le rejoindre. Dans le fond, j'attends le signal de Ben. J'essaie de faire ça comme je faisais des grands spectacles, mais c'est Ben qui me donne le go, puis on y va. Kent Hughes. Si on prend un journaliste pour discuter, on va faire une première ronde, et on verra par la suite si on a du temps pour des questions au follow-up. On débute avec Martin McGuire, Jean-François Chaumont et Jonathan Rennes. Bonjour, Ken. Bonjour, Martin. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la transaction de Jake pour New Jersey? Est-ce que vous gardez une partie du salaire? Il y a une condition rattachée au choix de repêchage. Qu'en est-il exactement? C'est quoi les conditions? Quelles sont les conditions? Est-ce que vous gardez une partie du salaire de Jake? Oui, on garde 50 % de son salaire. S'il joue 40 games l'an prochain, puis font les séries, ça devient un choix de deuxième round. C'était nécessaire pour la compléter, cette transaction-là, quand que vous arriviez à ça? Oui. Jean-François. Salut, Ken. Salut. David Savard est visiblement toujours un membre du Canadien de Montréal. Je suis curieux de savoir, est-ce que la valeur de David Savard était plus importante à vos yeux que l'obtention d'un choix au repêchage en retour de saison? Oui, je pense que je l'avais adressé quand on a fait la disponibilité à propos de l'échange de Sean Monahan, que pour nous, David... faisait partie de l'équipe, c'est pas quelqu'un qu'on cherchait d'échanger. Son valeur à l'équipe sur la glace, son valeur à nos jeunes défenseurs était très important à nous. Comme j'ai dit à ce moment-là, c'est pas à dire qu'il est inéchangeable, mais c'était pas notre objectif.
Bon, on est en entretien avec Kent Hughes en direct de Brossard. Vous avez entendu la réponse sur David Savard également pour Jake Allen, les conditions. Je vous rappelle, le BPM Sport s'affronte, ne fait pas alors. Ça sera présent immédiatement après le point de presse de Kent Hughes et on a un invité très spécial après le BPM Sport s'affronte. Est-ce qu'on peut retourner à Kent Hughes? Kent Hughes. Est-ce que le plan, dès le départ, c'était d'échanger Jake Allen dans les trois gardiens ou sinon, à quel moment c'est devenu le plan plus précis? Je pense au départ, c'est vraiment commencé. On savait que Caden aurait été pris sous le waivers. On n'avait pas Sam signé une extension. On n'était pas prêt à perdre Caden sur le ballottage, puis perdre Sam au fin de l'année sur le marché autonome. Alors, on a pris la décision qu'on commencerait avec trois gardiens. On n'avait pas nécessairement une idée spécifique rendu là que ça serait Jake Allen ou ça aurait pu être Sam Montembeau si on n'aurait pas été réussi à lui signer. Mais ça fait une boue depuis que Caden joue bien que avec l'équipe qu'on a où on est rendu dans notre construction que l'idéal était d'échanger Jake. Est-ce que les difficultés de Jake a repoussé les plans ou a rendu la tâche plus difficile de l'échange? Non, je pense que Jake, sa réputation dans la Ligue est quand même pas mal établie, rendu ça fait des années qu'il joue dans la Ligue. C'est juste le marché des gardiens, comme on suit depuis longtemps dans le média, il y a plusieurs gardiens qui ont été disponibles, puis les équipes qui avaient besoin de gardiens ont été... Ils ont attendu, ils ne voulaient pas faire des échanges. Des équipes comme Edmonton et Caroline, que je pense à une partie de l'année, tout le monde croyait avait besoin de faire de quoi, ont rien fait. Alors, c'est... Patrick. Bonjour, Patrick. Bonjour, Patrick. À quel point cette transaction-là était importante pour vous aussi pour mieux évaluer le travail de Montembeau et Primo et leur donner un volume de matchs plus important d'ici la fin de la saison? Écoute, je pense que depuis qu'on a signé Sam... J'ai dit que c'était la pression était sur moi maintenant de faire cet échange, qu'idéalement, on serait à deux. Autant pour notre équipe, mais pour les gardiens aussi, pour être juste envers les trois gardiens, de donner Sam plus, de donner Caden et Jake plus de temps aussi, puis de s'habiller à chaque match, puis de pratiquer. Je dois avouer qu'on doit remercier les trois gardiens pour leur professionnalisme. Ils ont été super dans des contextes moins qu'idéals. Ils ont tous les trois été des vrais pros. Kent, quels sont les facteurs qui font que tu as décidé d'utiliser la dernière rétention de salaire à laquelle vous aviez droit aujourd'hui plutôt que autour du repêchage, par exemple? Est-ce que dans les différents éléments que vous aviez, les différents joueurs que vous pouviez échanger, est-ce que c'est parce que tu avais l'impression que tu n'aurais pas pu obtenir plus en utilisant cette retention-là? Non, on a discuté ça. Si on garderait une rétention, est-ce que normalement sont utilisés moins souvent autour du repêchage qu'au deadline, c'est sûr. On voulait faire notre possible pour régler les trois gardiens par un échange. Puis c'était l'option qui était présentée qu'on a pensé qu'on fallait faire. Si je peux me permettre, quand tu regardes la situation à travers la Ligue nationale aujourd'hui, on entendait que les prix sont très élevés pour les différentes transactions, mais finalement, on dirait que ça a été un marché qui a favorisé les acheteurs. Puis les prix n'ont pas été si gros que ça. Qu'est-ce qui, à ton avis, peut expliquer ça cette année? Je pense que peut-être que certains échanges sont faits plus tôt. Peut-être que les gens croient que les prix étaient plus élevés au départ, puis moins élevés. Ça dépend des décisions qui sont prises par les équipes. Puis dès que les échanges commencent dans les derniers jours, s'ils vont d'une certaine barre, on voit que les autres équipes suivent. Alors, je pense que pour nous, dans le cas de Sean, c'est comme on avait discuté, on avait un prix, on a eu le prix, on était content de le faire.
si on aurait pu avoir plus ou moins, on était content avec le retour. On a pris la décision de le faire. Puis dans le cas de Jake, c'était vraiment toujours juste une question de trouver un mariage. Guillaume Lefrançois, Mackenzie Lalonde. Salut, Ken. Salut. Joshua Roy fait quand même parler de lui cette semaine. Il y a beaucoup de gens qui se demandent c'est quoi la suite des choses pour lui, puis c'est quoi le mieux pour lui en jouer dans la Ligue nationale ou faire le Rocket pour les séries. Comment tu vois aller sa situation avec ce que vous avez comme roster pour finir l'année? Je pense que c'est vraiment... On cherche l'équilibre. Guillaume, il faut qu'on prenne les décisions qui sont pour le mieux pour les Canadiens de Montréal, pour les meilleurs, pour le mieux pour Laval, mais aussi pour Josh. Alors, c'est quelque chose qu'on discute vraiment de jour à jour. Pour le moment, Josh, il va rester avec nous, mais on va continuer à évaluer de proche. Est-ce que techniquement, il a été cédé au Rocket pour avoir la possibilité de jouer plus tard? Oui. 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 Josh et Jaden ont été cédés. Juste une petite précision technique. Quand tu parlais des 40 matchs, là, c'est-tu 40 matchs l'an prochain pour Jake Allen? Oui. Donc, pas cette année. OK. Yeah. Salut, guys. Just in the recent games we've seen of Yoel or Mia, has he at all exceeded your expectations here over the last month? I wouldn't say he's exceeded them, because you always see... Like there's a lot there. He's a very talented hockey player, and I've read. I haven't talked to him personally about it, and I think Marty's touched on it, that you know, when people want to work and strengthen their mental skills or whatever it is, it's no different than their physical skills. And but I've read that he's been working with J.F. Menard, and it's been helpful for him in terms of putting himself in the right place mentally to perform to his potential, and I think we're seeing that of him. But he's always been an extremely talented hockey player. Just to kind of follow up on Joshua Waugh for our English equivalent. Yeah. For you, ultimately, what was that deciding factor to, in fact, paper him? Well, I think for us, the plan would always have been to paper him. The decision for us is really the timing of things. Like, how much does... We'd like Laval to make a real push and try to get into the playoffs. You know, we're hoping that some of our young players could come and join Laval and help push, and they'd all benefit from that experience of a playoff run. So we got to balance that with what we think helps Josh the most and what helps the Montreal Canadiens the most. And for the time being, we're going to keep him here. I can't tell him or anybody for that matter how long that's going to be. It's something we're going to evaluate on a day-to-day basis. Kyle, Arvin, and Eric. Hey, Ken, how you doing? I'm just curious, like, for as you went into this year in terms of what would have been kind of ideally on the checklist of things you want to see from your team. I know there's still games to go, but like, what's been most encouraging that you've kind of taken out of the way the team has progressed this year and this kind of patient path that you've been on? I think we've always talked about, you know, in general terms, seeing progression on both an individual and a collective level. And we understand that both individually and collectively, that's not a linear path, right? With young hockey players, consistency is always one of the last things to come. Learning how to do it night in, night out, learning how to do it under less than ideal, you know, fatigue, travel, whatever that may be. But we've seen, I feel like we're... Especially now, we're starting. Like, so we've seen Slav, you know, have a nice run, slow a little bit, and I think all those things are natural. Like, you start to have success as a young hockey player, and then you have a dip, and it may be for a variety of reasons, including getting away from what led you there in the first place. And that's why, in large part, it's not just our coaching staff, but players like David Savard that are so helpful to our young team as a whole, and particularly our young defensemen, and just trying to keep them on the right path. It may be technically what they're doing as hockey players. It may very well be mentally. Like, you hear a lot, like, park your mistake. We got, you know, 40 minutes left to play. Don't worry about it. Those things are pretty meaningful to a young defenseman when you think about you're playing in front of 19,000 people and all the pressure until you're used to it. So I think we've seen growth individually in our guys. There have been ups and downs, whether it's Laff or Arbor or any of the other guys, but I think by and large we're seeing a progression, and it's starting to help us form a view of what our team could look like and what we need. I guess just a specific point. I know that you... Actually, I assume
it's important to the organization that Laval make the playoffs. Mm-hmm. Did you have any opportunities today that might have forced you to bring a player up from Laval and you didn't do it just to avoid that? Was that on the table today, and did you make a decision like that? No, but I think maybe we talked about it internally, like, if this happens, what are we going to do? But it didn't end up happening. Eric? In retrospect, like you said, you took the deal that was on the table from Monahan at the time, the value that you were hoping to get back for the player. When you see the way the market shifted over the last week, did it reinforce to you the timing of making that move? You know what, to be perfectly honest, I feel like you make decisions at a time with the information you have at that time. And sometimes we're going to be more right, and sometimes we're going to be a little more wrong. I don't really, I try to stay with the, you know, the facts we were dealing with at the time, and that we made decisions and not look in the rearview mirror and worry about whether we did it right or we did it wrong. So would we have done better or worse for Sean if we waited? I don't know. But we're happy with the trade. We were at the time, and we're happy to see Sean having success too. On relation to timing, as we're talking about it, a lot of people will look at your decision to keep David Savard or keep a Yoel Armia with 1 year left on their contracts as maybe the timing will be better down the line, or maybe it was the best time right now. What, in your view, is the value those players can continue to provide to your team versus what may have happened today? I guess I look at it like this. I mean, we talk about this balance, or not everything that we do can be strictly based on maximizing asset value, right? So if we look at every player individually and say, if I trade them at this point in time, we get the best return for that player. We have to balance that with other things, like what we're trying, ultimately what we're trying to do. Listen, I think if we're efficient in terms of how we manage our assets, we put ourselves in a better position to build a hockey team, but ultimately we're trying to build a hockey team. And if a player has value to us in terms of what we're trying to build by being physically present and part of our organization, then that's going to trump, you know, trading that player at a later point for something a little bit inferior, because there's value in his time with us that we're going to carry beyond his time with us. And that's certainly something that we were considering in the case of David. Stu Cowan. Ken, you've been very patient since you took this job, patient this year with the three goalies, David Savard. How difficult is it for you to remain patient, and why should Habs fans who maybe aren't patient be happy that you are? I can't answer for the Habs fans, but listen, I think we're trying to be, I don't know if patience is the word, but we're trying to make decisions for the right reasons. And in order to do that, if that requires patience, we're trying to do it. Listen, I look forward to the day that we're buying, not selling. Like, I'm as competitive as the next person. I want to feel the highs and lows of winning and losing that come when you're expected to compete for a Stanley Cup. So the faster that it can happen, the better off it is. I'd like to be around for it. But I don't want to do it at the expense of doing it the right way. And I think that's how we all feel as a management group and as an organization. If your plan goes the way you hope it does, how far away do you think you are from being buyers? Ben, I mean, we've been buyers to a certain degree at the drafts and been sellers at the trade deadline. So if we see an opportunity again at the draft, we'll look to continue that path, and then, you know, the being a buyer at the trade deadline really depends on the performance on the ice. I don't know if I can give you that answer right now. Anthony, Alexis, Simon. Bonjour, Ken. Bonjour, Anthony. Tu parlais de Jake Allen, David Savard. Je suis juste curieux de savoir à quel point ton téléphone a sonné pour d'autres joueurs de l'équipe. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de demandes pour d'autres joueurs? Oui, on a eu des appels pour d'autres joueurs, mais pour la plupart, on les a dit que c'est pas des joueurs qu'on cherchait à échanger, mais qu'on était prêt à écouter des offres. C'est pas passé à l'étape où on a eu des offres. Juste
petites questions sur Cole Caulfield. Il disputait, ouais. En fait, il dispute cette année sa première année de contrat. Produit moins en termes de buts que ses deux premières années dans la Ligue. C'est quoi ton évaluation globale de son jeu? Je pense que Cole, c'est sûr qu'il y a moins de buts, probablement plus de passes qu'on attendait de lui. On dit toujours, je trouve qu'une des choses qui est plus difficile à voir, c'est le constant, c'est un marqueur de but. Comme les gardiens, c'est probablement plus difficile à le faire d'une année à l'autre. On n'a pas vu beaucoup comme Ovechkin qui l'ont fait d'une année après l'autre, mais je suis confiant que Cole est un buteur. Il a toujours été dans sa vie. Puis je suis confiant qu'il va continuer à scorer des buts dans le futur. Kent, vous avez parlé un peu de la valeur, la gestion de vos assets, de trouver le bon moment pour faire un échange. Concernant Allen et puis la gestion des trois gardiens, mm-hmm. en quoi le fait d'attendre, d'avoir attendu jusqu'à aujourd'hui, selon vous, vous a peut-être permis de maximiser sa valeur versus peut-être les côtés négatifs d'avoir géré avec trois gardiens pendant les cinq premiers mois de la saison? Oh, ça n'a pas été notre décision. C'est juste qu'il n'y avait pas d'échange à faire. Donc, ce que vous dites, il n'y avait pas de marché pour un nouveau gardien jusqu'à les dernières semaines. Ça fait des mois qu'on parle avec des équipes, mais ça, c'est vraiment cette semaine que les offres ont rentré. Simon Ollier. Bonjour. Tu en avais parlé, je pense que c'était à la mi-saison, sur le fait que tu ne sentais pas d'urgence d'échanger les défenseurs, mais néanmoins, tu en as déjà beaucoup sur ton roster, puis probablement que Lennon-Sun, on imagine, pourrait arriver d'ici la fin de la saison. Est-ce que tu as essayé ou est-ce que tu aurais souhaité de te libérer d'un défenseur au cours des derniers jours? Pas autant de, pour nous de faire un échange pour créer la place. On n'est pas pressé dans le sens que ce n'est pas nécessairement un échange qui se fait au trade deadline. C'est plutôt quelque chose qui pourra se faire au repêchage ou pendant la saison. Alors, normalement, le trade deadline, c'est les acheteurs puis les vendeurs. Il n'y a pas beaucoup d'échanges. Les gens l'appellent des hockey trades. On discute avec les équipes toute l'année. Si on trouve une qui fonctionne pour les deux côtés, c'est sûr qu'on l'aura faite. Ça ne nous empêche pas de le faire au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, ou quand on trouve un bon échange. Ton off-season commence maintenant. Oui. Oui et non. On a un autre, 25. 19 maintenant? 19 games, le moins de 18 ans, puis on continue on se prépare. Alors, en saison, puis dans l'étape où on regarde toujours dans le futur aussi. Voilà, c'était certainement la première partie du point de presse de Kent Hughes. On s'attend à ce qu'il poursuive pour au moins une quarantaine de minutes. Donc, on va pas vous le jouer au complet avec les journalistes qui se répètent et l'anglais, le français. On a Amélia qui va continuer de suivre le point de presse. Moindrement qu'il y a une nouvelle importante qui va être sortie. On va même sortir la clip, etc. Mais je pense qu'il est temps de s'amuser à ce beau vendredi. Au retour, pourquoi pas un BPM Sport s'affronte, date limite des transactions. Bougez pas. Suivez en temps réel le marché des transactions sur nos pages Twitter, Facebook et Instagram. Les rumeurs, les prédictions, les confirmations. BPM Sport.
BPM Sport s'affronte à un événement sportif bien plus populaire que Jake Paul contre Mike Tyson. Oh! Ce soir, s'affrontant du club du matin, le vétéran, les leaders, la colle de cette station de radio, Gilbert Delorme. Comment ça va, mon Marty? Ça va, toi? Ça va bien, Big Ben, ça va bien? Tout le monde est en forme, FX? Absolument, ça va bien en tabaslac. Tabaslac, mon Ben, parfait. Et quand on cherche quelqu'un pour que Gilbert se pogne un peu, on n'a jamais besoin de chercher très très loin. À tous les matins dans le club du matin, il y a un choc des générations qui arrive. Anthony Desaunier, salut. Moi, je suis comme Jake Paul, dans le fond. Oui. Ouais, ça veut dire que Gilbert, c'est des gros bras à Mike Tyson. Ça, je comprends. Non, mais on veut. Toi, t'es comme Jake Paul parce qu'on veut tout que Tyson te sac une volée. C'est pas correct. C'est pas correct. Messieurs, avant, j'invite les gens à voter. Ce sera une première également. La question n'a pas été posée d'avance, fait qu'on ne sait pas qu'est-ce que les gars vont nous répondre. Mais qui aura le meilleur argumentaire selon vous? Anto pour Anto et Gilou pour Gilbert. 514-790-0919. 514-790-0919. La question du jour sur les internets, c'est êtes-vous quelle note donnez-vous à Kent Hughes pour les échanges de Monahan, Jacob Perrault et Jake Allen? Et vous avez en plus entendu le point de presse ou quelques brides en attendant de pouvoir passer sur votre segment. Je vais vous entendre à tour de rôle. Quelle note vous donnez A, B, C à Kent Hughes et qu'est-ce que vous avez pensé du point de presse? Je vais commencer avec Gilbert. Moi, je donne un B+. B+, écoute, même je te dirais ouais, B+, fort. Là. Même A-, ça, on peut-tu? Hey, Gilbert, on n'est pas en rénovation avec des 7-3-8 forts, là. A, okay. B ou C? Ben, je vais lui donner un A. Bravo. 3-8 fort. 3-8 fort, c'est une demi. OK. On s'entend. Mais écoute, juste le fait d'avoir passé Jake Allen, moi sincèrement, je l'aurais donné. Prenez-le gratis, là. T'sais, arrangez-vous. Puis, là, c'est sûr que le Canadien va payer un peu du salaire et tout ça, mais en même temps, on reçoit un choix de 3. Possiblement un meilleur choix s'il goal 40 games l'année prochaine. Je pense pas qu'il goal 40 games l'année prochaine, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que, tu sais, Jake Allen, j'ai rien contre, mais à un moment donné, là, c'est assez. Mais t'as pris ben, non. Ben, c'est-tu quoi? À part de. Tu sais, il nous a rendu de fiers services. C'est un bon coéquipier. Il a pas fait de troubles. Je pense qu'il est un gars apprécié dans le vestiaire. J'ai pas de problème avec Jake Allen. J'espère que ça va fonctionner pour lui au New Jersey. J'y souhaite. Mais en même temps, moi, je pense que pour nous, pour le développement de nos gardiens en ce moment, c'est important que les gars jouent beaucoup. Puis, je suis bien content de la transaction. Très satisfait du travail de Kent Hughes. Anto, quelle note donnes-tu à Kent Hughes, A, B ou C, dans les échanges de Monahan, Jacob Perrault et Jake Allen? Et à la suite de ton écoute du point de presse, qu'est-ce que tu as à dire sur Kent Hughes et son travail? Ah, honnêtement, Martin, aucune hésitation dans ma tête. C'est un A, puis si je pouvais, ce serait A+. Pour toutes sortes de raisons. Écoute, Sean Monahan, on a eu notre prix, on a passé à l'action. Tu regardes dans les derniers jours, les transactions acheteurs, j'avais toujours l'impression que la balance, je pensais de leur côté. J'avais pas l'impression que les retours étaient tant satisfaisants. Kent Hughes a eu son prix. J'aime beaucoup Jacob Perrault. Un potentiel offensif qui est plus présent que Yann Michak. Yann Michak a quand même plusieurs joueurs dans le même moule à Montréal. Je trouve que c'est quand même un pari intéressant. Et que dire de Jake Allen, honnêtement? Moi, je faisais partie de ceux qui s'attendaient à voir Jake Allen être tout simplement racheté l'été prochain. Et en le rachetant l'été prochain, ça impactait la masse salariale de 2,3 millions et 700 000 pour l'an 2025-2026. Là, ça va impacter la masse salariale de 1,9 million et on est assuré de mettre la main sur un choix de troisième tour. Qui aurait cru ça possible, honnêtement, à Montréal? Ouais. Moi, je ne voyais pas ça venir du tout. Pendant même un certain moment durant la saison, je m'attendais à ce que le Canadien soit obligé de payer pour sortir Jake Allen de l'organisation. Je lève mon chapeau. C'est encore une fois un coup de génie sur toute la ligne pour Kent Hughes. Il n'y avait rien d'autre à vendre et il a trouvé le moyen d'être actif. Moi, je suis vraiment impressionné par le travail qu'il a effectué dans les derniers. Les deux, je vous trouve vraiment avec des petites lunettes roses quand même, parce que ce contrat-là, qui était une épine dans le pied, c'est quand même lui qui l'a donné. C'est pas grave, si je peux me permettre, j'aimerais rajouter que si Kent Hughes récupère 50% d'un salaire dans une transaction, il va recevoir, si on se fait à ce qu'il s'est donné dans la Ligue, un quatrième choix pour retenir du salaire pour qu'une transaction entre deux autres équipes ait lieu. Il retient du salaire de son propre gars, puis il reçoit un 3, puis on crie au génie. Dans le fond,
il a été capable de réparer son erreur, mais il va payer pendant 2 ans. Il va payer 1,9 million l'an prochain en retenue de salaire. Pour moi, là, je suis content. C'est au-delà de mes expériences. Pierre Lebrun, Mathias Brunet, plein de gens bien connectés. Le téléphone ne sonnait pas. Selon moi, on était chanceux que les Devils, ouais, ça ne fonctionne pas, ouais, avec Markstrom, ouais, et qu'on a pris panique. Il n'y a rien qui sent plus fort la panique que ça. On a même congédié Lindelof. Et là, on se réveille pour s'en va chercher un gardien but numéro 2 pour l'an prochain, alors qu'on échange Toffoli et qu'on abandonne pour cette année. Ouais. Chapeau à Kent Hughes, mais juste pas qu'on crie au génie. Il a quand même réparé sa gaffe à lui, là, tu sais. Oui, il répare sa gaffe à lui, mais moi, je crie quand même au génie, Martin, parce que si tu retiens du salaire comme le Canadien l'a fait l'année dernière pour Nick Bonino, ou comme ça a été fait à plusieurs reprises depuis le début de ces transactions, des équipes qui s'immiscent dans une troisième partie, oui, c'est vrai que tu vas aller chercher peut-être un choix de quatrième tour, mais tu as quand même Jake Allen sur tes livres à 3,85 l'année prochaine. Tu as quand même 3 gardiens de but dans ton organisation l'année prochaine. Là, en faisant le mouvement de la sorte, tu t'assures enfin d'avoir seulement 2 gardiens de but. Fait que moi, j'aime vraiment mieux cette avenue-là. Fait que oui, j'ai pas peur de le dire. Moi, je crie au génie. Excuse-moi, Gilbert, tu vas comprendre ce que je veux dire. Je vais prendre un exemple que Anto comprend de sa génération. T'as vu le film Aladdin? Ouais. Tu sais, quand il dit t'as 3 vœux, si ton premier vœu, c'est je veux un jaguar, puis il te fait apparaître un minou, puis tu dis ben non, l'auto. Puis là, il fait disparaître un minou, puis t'apparaît le char, t'as quand même perdu un vœu. Tu comprends-tu? Ouais. 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 C'est ouais, son erreur, le cash, tu sais. Anyway. On a eu du fun. Je pense pas qu'il y ait un gagnant dans cette chose-là. De toute façon, les deux, vous avez dit « Ah! » Vous êtes faits pour vous entendre. Whoa. Messieurs, allons-y avec quelque chose d'un peu plus corsé. Patrick Roy, alors qu'il jouait pour 500, a maintenant 5 victoires de suite et maintenant 2 points, non seulement du Lightning de Tampa Bay et des Flyers de Philadelphie. Avec des matchs en main. Avec des matchs en main. Ouais. Là, FX a joué avec ma préparation. Je trouve plus mes questions. Voilà. Les Islanders vont se qualifier en série. Ouais. Absolument pas pantoute, Gilbert. Absolument. Ouais, absolument. Je pensais pas ça, je te dirais, il y a une dizaine de jours, mais là, avec les 5-6 victoires consécutives, ça va bien du côté des Islanders. Tout baigne dans l'huile, tout va bien. On a vu même Patrick hier essayer de donner une rondelle, là, puis rire derrière le banc, ce qu'il faisait pas à son arrivée. Ça a pris plus de temps que je pensais pour avoir le résultat attendu, peut-être, ou l'électrochoc. Là, je pense vraiment que les Islanders, ils se sont mis en marche. On joue de la façon que Patrick veut qu'on joue. On est efficace. On est moins permissif défensivement. On donne beaucoup moins de chance. Ça va bien du côté des Islanders. Ça va bien. Est-ce qu'on pique au bon moment? Ben, je comprends. Je comprends qu'on pique au bon moment. Puis, tu sais, il reste une vingtaine de games, 18 games, 19 games. Il fallait faire un push du côté des Islanders. On l'a fait. Puis, t'sais, ils ont pris confiance peut-être qu'il n'y avait pas avant, puis même avec Patrick en arrivant, t'sais, des fois c'est réticent un petit peu les joueurs, puis de saisir les systèmes de jeu, qu'est-ce que le coach veut leur enseigner et tout ça, ça peut prendre un petit peu de temps, okay. Puis là ça semble être rentré dans l'ordre, on fait rien de mal, on fait tout bien du côté des Islanders, puis ça c'est pour la gang des Islanders, pour Patrick Roy, pour Lou, la Moriello, je pense que ça arrive, le timing est parfait. 514-790-0919 pour Gilou, 514-790-0919 pour Anto. Anto, Patrick Roy, après avoir joué pour 500, a maintenant remporté ses 5 derniers matchs et est à 2 points d'une place en série avec 2 matchs en main. Les Islanders vont se qualifier en série absolument pas pantoute. Ouais, là, je pense qu'il y a eu une petite erreur parce que je suis du même côté que Gilbert. Moi aussi, je m'attends à ce que les Islanders participent aux séries éliminatoires parce que dans la métropolitaine, la plupart des équipes qui sont en compétition avec eux ont reculé. Les Capitals de Washington ont vendu, les Devils New Jersey ont laissé aller Tyler Toffoli, les Penguins ont laissé aller Jake Gensel. Et à ne pas perdre de vue les Flyers de Philadelphie qui, eux aussi, ont laissé partir Sean Walker. Donc, je m'attends à ce que les Islanders, qui ont quand même le vent dans les voiles, soient en mesure de se qualifier comme troisième équipe dans la métropolitaine. Ils l'ont remplacé contre Eric Johnson, ça marche pas? Non, je pense pas, honnêtement. Je pense que, honnêtement, t'as pas tort, là. Je te le donne. Dans les mais faits. Je pense quand même que les Islanders vont aller battre les Flyers. Oui, dans les faits. C'est mon erreur. Je prends le blanc à 100%. Donc, j'en garde une dernière pour vous, messieurs. La transaction d'Evgeny Kuznetsov en Caroline est complètement ridicule, Anthony. Ben oui, c'est ridicule. Honnêtement, j'ai bien de la misère, honnêtement, du point de vue de la Caroline. Tu sais, Martin, tu le sais, je suis beaucoup les espoirs à l'année longue.
c'est une équipe qui a une banque d'espoir tellement garnie. Ils ont été capables de soutirer Jake Guentzel en donnant pas grand-chose. Chapeau à eux. Mais après ça, ils ne sont pas capables d'investir pour aller chercher un joueur élite. Au final, c'est une équipe qui a une fenêtre réaliste pour la Coupe Stanley. Puis on préfère aller chercher l'option à rabais du dollar à moi d'Evgeny Kuznetsov qui a des problèmes présentement qui... C'est une boîte à surprise, c'est pas tout ce qu'il va te donner. À la place d'investir réellement quelque chose pour aller faire chercher un joueur qui va faire la différence. Fait que oui, pour moi, c'est une transaction qui pourrait être un problème à long terme. Puis je serais pas surpris que Rod Brind'Amour, après quelques matchs, décide de faire un peu un Tomáš Tatar avec les Golden Knights de Las Vegas. Puis dise, tu peux aller t'asseoir dans les gradins, on va passer à autre chose. Et ça sera Drury ou Kotkaniemi, deuxième centre. Tandis que tu as Vegas, qu'eux autres, ils ont dit, nous autres, on met le paquet pour un gars qui reste 6 ans en Thomas Hurdle. Exact. La transaction d'Evgeny Kuznetsov en Caroline est complètement ridicule. 514-790-0919, 514-790-0919, Anto ou Gilou. Gilbert, la transaction, pas pantoute, pourquoi? Parce que Kuznetsov, là, c'est beau, oui, il y a eu des problèmes et tout ça, mais oubliez pas, les gars, que quand les Capros ont gagné la Coupe Stanley, il était un rouage très, très, très important. C'est un gars qui a de l'expérience, c'est un gars qui a du vécu. On est allé chercher Guentzel, qui a gagné une Coupe Stanley aussi en 2017, je pense, avec les Pingouins, lui. C'est important, ça, au sein d'un club. Puis Kuznetsov, écoute, à un moment donné, là, on prend une chance. Je vous le donne, on prend une chance. C'est une boîte à surprise. Mais si jamais il est capable de jouer du bon hockey pendant 2 mois ou 3 mois, on va se frotter les mains du côté des Hurricanes de la Caroline. C'est un excellent joueur de hockey. Si je ne me trompe pas, c'est lui qui a marqué le but gagnant contre les Penguins de Pittsburgh en supplémentaire quand les Capitals ont gagné la Coupe Stanley. Je pense que c'était dans le match numéro 7 en plus. C'est un gars qui peut se lever. Il peut être un gars de grandes occasions. La seule affaire... il a tous les outils la plupart du temps, mais il manque la boîte à outils souvent. T'sais, souvent le moteur marche, mais il n'y a pas personne en arrière du steering. Fait que, mais si on est capable, si Rod Brind'Amour, si Jeff Daniels, assistant coach, est capable de lui rentrer dans la tête, puis de le tenir serré, moi je pense que ça peut être un atout pour les Hurricanes de Caroline. Moi, je peux pas croire que quand tu gères une business de 4... Puis mon opinion vaut pas 5 cents, je vous donne 10 secondes de plus pour voter. 514-790-0919. Je peux pas croire, moi, que quand on gère une business de 83 millions puis qu'on y va pour les grands honneurs, on a des petits bras de crocodile puis on veut pas payer pour aller chercher un vrai joueur de centre. Exact. Mais connais des joueurs de même, hein? Ah oui. Ah, des joueurs de même, vas-y une affaire, cette année, en arrière du bar, payer jamais la traite. Ah! Ben, ah non, mais il va dire une affaire des razor blades, on appelle ça des lames de rasoir dans les poches. Tabarouette. Ah oui, mais c'est exactement ce que les Hurricanes ont fait, puis c'est dommage. Puis t'as vu, ceux qui disaient qu'il n'y avait pas de centre, Vegas était au courant que Hurtle pouvait partir. Ouais. Puis sais-tu quoi? Il n'y a rien que Vegas a donné que la Caroline n'était pas capable de donner. C'est vrai. Mais reste à voir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Écoute. Hey, étant donné que vous étiez d'accord sur tout. À part la dernière question, ce sera la dernière question qui décidera qui l'emporte à fixe. Et c'est Gilbert qui l'emporte. Les gens sont prêts à prendre le pari. Yevgeny Kuznetsov, ils trouvent que c'est une bonne idée en Caroline. Surpris. T'es chanceux. Moi avec. Mais, regarde, tu sais jamais. C'est un gamble, je vous le donne, les gars. C'est un gamble, c'est une tête folle, c'est un épais. Mais c'est un... Non, mais il y a du talent, pareil, le gars, là, tu sais, mais... Hey, en plus, j'ai pensé à toi, parce que quand j'ai parlé de lui, là, Gilbert, j'ai même dit... Souvenez-vous des photos avec la coke sur la table. Ouais. Après ça, là, cette année là, que je l'ai vu jouer au hockey, c'était lamentable. Il se traîne. Gilbert Delhomme aurait dit « C'est un fat cat! » Ouais, mais c'est un gamble, mais c'est un joueur qui, pour 2 mois... C'est un gamble qu'on peut prendre pour 2 mois. Okay. Je te dis pas qu'on va le garder l'année prochaine. Là. Peut-être qu'on va le sacrer de voir couper dans le cul aussi. Là. Mais c'est ce que je m'attends. Ça se peut très bien, mais écoute, du côté des Hurricanes, Rod Brind'Amour, c'est un gars qui est intense, c'est un gars qui a joué la game longtemps. Peut-être qu'on va être capable d'y rentrer dans la tête. Peut-être. Puis si c'est le cas, ben tabarouette, tu sais, va chercher la dernière goutte qui reste dans le citron, puis après ça, tu le colliras d'un vidange. C'est pas plus grave que ça. Non, mais Martin, c'est ça, là. Si t'es capable de gagner une Coupe Stanley ou de te rendre en finale avec ce gars-là, puis l'année prochaine, on verra, là. Les gars, vous avez été génial, d'autant plus que c'était une longue journée pour tout le monde, une longue semaine avec toutes les transactions, les 2 matchs du Canadien. En plus, on vous a déplacé dans l'heure. Un énorme merci.
Bon week-end, reposez-vous. On vous écoute lundi dès 6h dans le Club du matin. Anthony Desauniers, Gilbert Delhomme, merci beaucoup. Salut les boys! Yes! Hey Tony, juste en passant, Tony, j'ai pas eu besoin de ton aide. C'est tout correct. Je suis allé au chalet après-midi, j'ai tout changé ma fournaise, toute la patente, tout est correct. J'ai pas eu besoin de... T'es stand-by pour rien toute la journée. T'étais stand-by pour rien. Je sais que t'es un extra manuel, un petit peu comme Ben Roger, là, pis que t'adores faire ce genre de travaux-là, mais j'aurais dû t'appeler, ta barouette. Mais j'ai pas eu besoin. Je regarde les couches chez Anto, là, tu pourrais aller faire un tour, mettre ça au niveau. OK! Oh, salut! Ben, c'est-tu plus pire que passer 3 heures pour poser un crochet chez Ben Roger ou... Tu te calmes. Ben, c'est ça que t'as fait l'année passée, t'as pris 2 heures pour poser un crochet. Pas l'année passée, c'est il y a 3 ans, je me suis amélioré depuis. OK. Ben, j'haïs autant ça. Il colle avec du... Du Alien Tape. Alien Tape. Alien Tape. Ça, c'est bon, du Alien Tape. Moi, je crée à ça. Ouais. Moi aussi, j'en ai dans mon sac. Ouais, ça, puis la goutte de Crazy Glue, tu sais, t'as sur le casque avec le bout de plywood qui est collé sur une poutre d'acier de quand on était jeune. Je crée à ça en tabarouette aussi. Tu tiens après le casque, par exemple. Ouais, c'est ça. Salut les gars, bon week-end. Salut, bye, bonne fin de semaine. On s'arrête tout de suite. On s'en va immédiatement au Choc des idées dans quelques instants. On a notre surprise également qui s'en vient. Il était tellement gentil, il a accepté d'être déplacé. Manquez pas ça. Vous le regretterez pas, je vous le promets. Suivez en temps réel le marché des transactions avec toute l'équipe de BPM Sport.
idées. Oui, le choc des idées avec deux anciens joueurs de la Ligue nationale de hockey qui connaissent ça, la date limite des transactions. Jason Pomainville, salut! Salut Martin, ça va bien? Ça va, toi? Yes, ça va, ça va. Et pour t'accompagner, on dirait que sa rutilante voiture, Éric Bélanger, salut! Salut les gars! N'as-tu un de vous deux qui a du son sur l'auto, peut-être? Non? Parle-moi donc, Éric, voir. Est-ce que tu m'entends? 10 sur 10, mon chum. 10 sur 10. OK. Bon. Quel a été votre niveau de surprise sur 10 quand vous avez appris le miracle que Kent Hughes avait réussi à soigner Jake Allen? Et non seulement le soigner, ça n'y a pas coûté d'actifs. Ça y coûte de l'argent, mais ça n'y a pas coûté de choix ou de joueurs. Éric. Écoute, 2 sur 10, là. Ah, pas surpris. Je pense que c'était. Comment? Tu n'étais pas surpris? Ben, je n'étais pas surpris. J'ai été un peu surpris que ce soit capable de le passer, honnêtement. J'ai été surpris surtout que ce soit les Devils du New Jersey. Je ne sais pas dans quelle direction il s'en va, là. Je pense que le directeur général ne le sait même pas lui-même. Donc, c'est bon pour le Canadien. C'est longtemps que ça aurait dû arriver. Mais non, je suis pas vraiment surpris. On savait qu'on devait retenir du salaire du côté du Canadien. Puis, juste content qu'on passe sur un autre appel parce que je m'ai assez parlé du ménage à trois cette année. Mais moi, je dis que c'est surprenant. Puis, j'avais de la Jason. Anti Renta, 1,5 sur le balotage, ça coûte rien. Les Devils, ils étaient si déprimés que ça. Mais c'est vraiment une transaction pour l'an prochain. Le Canadien paye 1,9. Les Devils vont payer 1,9. Ils échangent Toffoli. Donc, c'est comme s'ils abandonnaient pour cette année. Mais ils vont chercher Jake Allen pour l'an prochain. Puis en plus, ils donnent un troisième choix. Pour vrai, les Devils, je ne sais pas où ils vont. Puis c'est correct que Kent Hughes réussisse à le passer. Mais ils payent quand même l'an prochain la moitié du salaire du gars pour être sûr qu'il ne joue pas ici. Jason. T'as raison. J'ai été surpris, comme vous, de voir que c'était New Jersey. Ce qui m'a surpris le plus, c'est je sortais de la glace quand j'ai entendu. Puis j'ai entendu Ken Hughes dans sa conférence de presse dire qu'il n'y avait aucun marché pour les goalies. Il n'y avait pas vraiment eu d'offres avant comme aujourd'hui. Fait que ça m'a étonné un petit peu là, de savoir ça, qu'il n'y avait pas vraiment eu de conversation jusqu'à aujourd'hui. De voir qu'ils sont capables d'aller chercher un choix de troisième ronde, je pense que c'est vraiment le fait qu'ils retiennent du salaire. Sinon, ça aurait été impossible d'avoir un choix de trois. Oui, ben c'est ce que je pense également. Puis, tu sais, il y en avait un pour gratuit. Moi, je trouve que ça sent la panique. Et ils se disent, l'an prochain, on ne se fera pas pogner avec un gardien de but substitut recrue. En tout cas, tant bien en face aux Canadiens. C'est réglé. Comme Éric l'a dit, on n'entendra plus parler du sapresti de ménage à trois. transaction papier qui est importante. Joshua Roy et Jaden Struble pour aller rejoindre le Rocket. Pour moi, c'était important, puis c'était même important avant aujourd'hui. Il aurait fallu que ces gars-là aillent aider le Rocket. Struble, pour ceux qui se demandent pourquoi, Lane Hutson s'en vient. Déjà, Kovacevic est dans les estrades. Si Lane Hutson joue des matchs pour brûler une année de contrat, là, t'es rendu avec un autre défenseur des estrades. La façon que Jacky joue et Harris joue, peut-être Struble se retrouverait dans les gradins, donc on pourrait l'envoyer à Laval. Êtes-vous content d'avoir entendu ça? Et est-ce que ça se passe au bon moment? Vous auriez aimé mieux que ça se passe avant pour aider le Rocket à rentrer en série. Éric? Non, moi, je pense que le timing est super bon. Le Rocket est à quoi? 4-5 points en ce moment en dehors des séries. Struble ne méritait pas de retourner. Joshua Roy ne méritait pas de retourner. Je pense que là, ça va être une évaluation quotidienne dans les deux cas. Josh a encore marqué un but hier. A bien joué malgré son 12 minutes. Struble a un petit peu plus de difficultés depuis qu'il est revenu de sa blessure. Ça lui donne des options. Mais moi, je pense qu'on pourrait probablement voir Struble descendre plus rapidement que Roy. Certainement, ces deux gars-là vont aller aider le Rocket là, très bientôt. Probablement essayer de faire un push pour les séries. Jason? Je suis d'accord. Je pense que ce serait important pour eux aussi, pour leur développement, d'avoir la chance de jouer des matchs importants dans le stretch, de jouer des matchs possiblement dans les séries. Je me remets à leur place quand moi je commençais. J'ai eu la chance de participer aux séries à tous les années à Rochester. Puis c'est de l'expérience que tu peux pas acheter. Puis eux, il y aurait peut-être cette chance-là. Est-ce qu'ils méritent de revenir? Possiblement pas, mais en même temps, tu veux penser au long terme. Puis le long terme, mais ça serait bénéfique pour eux de jouer des matchs importants. J'espère que Mathias t'écoute. Mathias qui me dit, c'est pas tant pire que ça, important.
que les gars jouent en série dans les. All-in, pour l'avoir vécu, là, Jason, je sais pas si tu as joué longtemps dans l'Américaine, là, mais moi, j'ai joué 3 ans, puis je peux te garantir que ça m'a aidé à forger mon identité pour la Ligue nationale, parce que jouer des matchs, puis des matchs de série qui veulent dire de quoi dans la Ligue américaine, ça n'a pas de prix pour ton futur. D'accord avec ça, Jason? Oui, je suis entièrement d'accord. Puis, tu sais, en plus, le fait de le vivre à Laval, le building est tout le temps plein. Il y a de l'ambiance à craquer, de jouer devant des foules comme ça. Ça peut juste être bénéfique pour eux sur le long terme. Puis, tu sais, reste à voir s'ils vont les descendre ou pas. Là, mais je pense que c'est une question de temps, là, comme tu as dit, Eric, avant que les gars redescendent puis aider le Rocket. Les Golden Knights de Vegas sont derniers dans l'Ouest pour entrer en série éliminatoire. La dernière place du meilleur deuxième. Les Golden Knights ont fait l'acquisition. Noah Hanifin, Anthony Manta et aujourd'hui, 6 ans de contrat de Thomas Hurtle. Complétez la phrase. Les Golden Knights de Vegas sont... Eric. Ils sont très intelligents à contourner la convention collective. j'adore ça. Gars, il y en a qui ne sont pas d'accord. Ils peuvent le faire dans les règlements qui sont comme ils sont en ce moment. Ils sont capables de rajouter des joueurs de qualité comme ça. Le Thomas Hurtle, là, c'est pas un pied de céleri, là, c'est un méchant joueur de hockey. Écoute, je pense pas que Vegas vont finir d'un meilleur deuxième là, si ils sont capables de se replomber un peu et avoir un gardien en santé qui fait les arrêts. C'est incroyable ce qu'ils ont été capables de faire encore avec le plafond salarial sur le marché des échanges. Incroyable. Jason, on disait déjà, tu sais, avec l'acquisition de Manta et de Hanifin, hey, là, ils contournent le règlement, papa. Jason, avec l'acquisition de Hanifin, Hurtle et Manta, les Golden Knights sont... Ben, ils sont l'équipe que tu veux pas jouer en première ronde. Tu sais, tu pourrais... si son wild card, c'est l'équipe que t'affrontes en première ronde, ça fait aucun sens. Mais quel échange qu'ils ont fait, là, c'est des gars qui ont de l'expérience dans la ligue, qui sont sous contrat à long terme. Je sais pas s'ils vont être capables de... Ben, à part Hanifin, Manta, je suis pas sûr s'il reste du terme, mais Hurdle de le rajouter puis qu'il reste encore 6 ans... C'est des acquisitions majeures, puis ça va les aider dans le stretch, mais moi, je ne voudrais certainement pas y jouer en première ronde. Je le sais qu'ils sont au-dessus du plafond salarial avec toutes les blessures à long terme, et je n'ai pas vérifié la statistique. Mais Sébastien dit que c'est des fraudeurs. Ils sont 18 700 000 au-dessus de la masse salariale. Et 14 ou 18 millions, ouais, 14 ou 18, comme l'année que t'aimes pas bien gagner la coupe, puisque Kuznetsov est arrivé en série. Ouais, mais... Il contourne. Le règlement est comme ça, ils ont le droit de le faire. Ils font, puis c'est bien correct. Kucherov avait manqué toute l'année. Là, les Golden Knights, ça fait 3 ans de suite que Mark Stone, en février, a fait le pas, je crache, j'ai du sang à mes selles, puis il revient en avril. Puis c'est tout le temps Mark Stone en février, puis qu'il revient tout le temps en avril. Ouais, mais si le règlement n'est pas changé, ben on a le droit de le faire. OK. Et je ne sais pas quoi répondre à ça. OK. Ce qui est dur, je pense, dans ce règlement-là, c'est que, tu sais, d'un, Stone, il doit être réellement blessé. Là. Je pense qu'il doit délai que c'est quelque chose d'assez majeur. Mais si les équipes se plaignent de ce règlement-là, mais ils savent qu'un jour, ça va peut-être être à leur tour de pouvoir prendre avantage de ce règle-là. Fait qu'ils sont aussi bien de le laisser aller. Tu sais, exemple canadien, là, canadien qui ont tout l'argent du monde. Pourquoi aller se plaindre de ce règlement-là dans quelques années quand ça va être à leur tour? Ils vont pouvoir le dépasser aussi s'ils ont des blessures à long terme. Donc, d'après moi, puis l'association des joueurs doit être pour ce règlement-là. Tu sais, eux autres, ça leur dérange pas. Ils ont des gars signés long terme qui font plus d'argent puis qui peuvent jouer plus de matchs dans la ligue. On va vérifier. Un auditeur qui vient de nous écrire que Vanecek aurait passé au Shark de San Jose aux alentours de 15h contre le gardien de but Kakkonen. On va vérifier la nouvelle, voir si c'est vrai, mais je le dis souvent, les auditeurs de BPM sont ça à coche. J'aimerais ça vous faire entendre. Je vais demander à Ben. Ben, on a une clip de Sidney Crosby qui n'est pas heureux après cette défaite de 6-0. Pourtant, pas à chialer. Jake Gensel, je ne vois pas de toute façon, il était sur la liste des blessés. Les Pingouins ont échangé Jake Gensel. Voici la réaction de Sidney Crosby. What are you thinking about the rest of this season? I mean, I know you're trying to get into the playoffs and win every game, but also management sends this message? Yeah, I don't know. I mean, it's probably a better question for them. Yeah.
Sidney pas content. Ouf. Sidney a raison de ne pas être content ou Sidney comprend pas qu'à un moment donné, si les gars dans le vestiaire ne performent pas, il va y avoir des changements? Éric? Ben oui, c'est sûr que Sidney, lui, il est frustré de ne pas être en position de faire les séries. Là. On a échappé encore une hier. Ça va vraiment pas bien du côté des Pingouins. Je pense qu'il sent à la fin avec plusieurs de ses coéquipiers. Moi, aujourd'hui, là, je pensais qu'il allait avoir beaucoup plus d'action du côté des Pingouins de Pittsburgh, les Malkin, les Letang. Moi, j'aurais déloadé, là. J'aurais demandé à Sidney Crosby s'il était prêt à aller jouer ailleurs, malgré que j'aurais aimé le garder. Moi, je pense qu'il y a un grand changement de renouveau qu'il faut qu'il arrive avec les Pingouins de Pittsburgh. On n'a pas bougé encore, mais c'est sûr qu'il faut qu'il se passe de quoi, là. Dubas, décevant dans ce qu'il est allé chercher pour Gensel. Cette équipe-là, depuis qu'on est allé chercher Carlson, je peux pas croire que ce joueur-là a tué le spirit puis la culture de cette équipe-là juste avec ce joueur-là. J'ai de la misère à le croire, mais il faut bien voir que les résultats sur la patinoire, on le voit par elle-même. Là. Il faisait pas plus ses séries sans lui. Là. L'an passé, il était pas en série. Oui, mais tu sais, je veux dire, c'est encore pire. Le powerplay est 30e dans la ligue. Il y a quoi qui se passe là-bas? Il faut qu'il y ait des changements. Là. OK. Jason? Mais... Je sais que Dubas doit le penser, il doit vouloir faire des changements, mais j'ai de la misère à voir Dubas aller voir Crosby et demander s'il veut partir. Je pense que si Sidney part de là, ça va vraiment venir de lui. C'est lui qui va aller avoir cette conversation-là et qui va demander de partir. Mais à l'inverse, ce ne serait pas une situation facile pour Dubas d'aller voir Crosby et demander de bouger. Là. Ouais, non. Tu sais, peut-être que Sidney, il se dit, il reste pas grand temps, là, j'aimerais ça aller à quelque part puis gagner parce que la façon que ça se passe pour les Pingouins, là, ça s'en ira pas en s'améliorant. Attends une seconde, tu penses-tu qu'il ferait ça quand Malkin puis le temps viennent de prendre une extension? Penses-tu que lui, il arriverait? Ben, c'est belle fun, les gars! Salut! Je quitte le bateau! Pourquoi pas? Hey, il a sauvé cette franchise-là, il a signé là-bas. Mais c'est deux champions de signer! Hein? Le temps puis Malkin. Ah ouais? Tu dois rien à personne dans le monde du hockey, là. Il coûte bien, là. Non. OK. Jason? Ben moi, j'écoute, j'ai de la misère à le voir dans un autre chandail. Ça serait bizarre, à maudit, le voir d'une autre équipe parce que, tu sais, je ne sais pas les négociations, comment que ça a été. C'est-tu Crosby qui a convaincu Malkin de rester, de signer une extension? Même chose avec le temps. Si c'est le cas, peut-être qu'il se sentirait un petit peu plus mal, mais dans... C'est comme Éric, il dit, c'est vrai que tu dois rien, tu dois penser à toi aussi dans tout ça. Mais de le voir d'une autre équipe, là, j'aurais vraiment de la misère. Imagine-le à Colorado avec son chum là-bas, ça serait incroyable, mais j'ai de la misère à voir ça. Oh, ça serait bon. Hey les gars, juste pour s'amuser, là, pis, c'est un genre de petit rafale, un petit rapid fire. Vous avez dit, tu veux pas affronter les Golden Knights. Donnez-moi pas le nombre de matchs. Faites juste me dire qui gagne. Éric, les séries commencent aujourd'hui. Vancouver, oui. Vegas. Qui tu prends? Vegas. Pour vrai? Jason? Oui. C'était Golden Knights contre qui, t'as dit? J'ai les pas compris. Canucks. Excuse, j'ai pas compris encore. Les Canucks de Vancouver? Ah, les Canucks, ok, ouais, j'irai avec Vegas aussi. Ouais. Contre Thatcher Demko avec pas de gardien, ok, c'est correct. Les Oilers contre les Kings? Oilers pour moi. OK. Winnipeg, qui aurait l'avantage de la glace, contre Colorado. 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 Winnipeg, je sais qu'ils ont fait des moves, ils se sont améliorés, mais je sais pas, c'est pas... Puis en plus, contre Colorado, tu sais, comment tu vas aller contre Colorado? OK. Et la dernière, d'après moi, vous allez faire quand même plaisir à certains partisans du Canadien. Peu importe votre réponse. Boston, Toronto. Boston. Hey, boy, moi aussi, je vais aller. J'aimerais ça que Toronto, mais. Comment t'aimerais ça? Toronto? Je vais y aller avec Toronto. Toronto? Ouais. Hein, t'as-tu investi dans la franchise, quoi? C'est pas. Jason, il a investi J'aime Nylander, j'aime Marner, j'aime. Non, j'aimerais ça les voir réussir. Je sais pas pourquoi. Oui, va te donner à faire le trio de Nylander, Domi et Bertuzzi. Ça n'arrête pas grand-chose défensivement. Ils sont mieux de travailler dans l'autre zone, va te dire une affaire.
Je vais y aller. OK. Je te laisse tranquille, Eric. Bon week-end, les gars. Vous avez été excellents. Profitez-en. Puis il y aura des bons matchs à regarder. Les séries seront spectaculaires. Incroyable. Incroyable. Yes. Eric, Jason, gros merci. On se reparle la semaine prochaine. Bye-bye. Bon week-end. Très bien, merci. Bye. Bye. Avant de s'arrêter pour la pause, notre surprise s'en vient dans quelques instants. Mais il y a un événement sportif important avec la date limite des transactions qu'on semble un peu oublier. CF Montréal joue en fin de semaine. Ça, vous pourriez dire, ah, ben c'est banal, c'est le début de la saison. Non, il joue contre l'Inter Miami. On en parle avec Oli Brett. Salut, Oli. Salut, comment ça va? Ça va, toi? Ça va très bien, puis tu mets parfaitement la table, parce que c'est vrai que si c'était un troisième match de l'année face à l'Union de Philadelphie, ce serait pas la même chose, mais peu importe ce qu'on pourrait essayer de nous faire croire en se préparant pour un match, entre guillemets, comme les autres, je te confirme que c'en est pas un. C'en est pas un, d'autant plus que tu t'en vas pas là après t'être fait plier d'en face deux matchs de suite. T'as une victoire et un match nul de 0-0, et tu t'en vas affronter l'Inter Miami. La question que tout le monde se demande, est-ce que les gros canons seront là, dont... un certain, comment il s'appelle donc? Cherche son nom, là, j'allais sur le bout de la langue. Ah oui! Messi. Hey, là, j'aurais aimé ça que tu me sortes l'équivalent d'un gars de troisième trio de l'Inter Miami. Tu m'aurais vraiment impressionné. La prochaine chronique, watch moi. Tu vas m'en trouver un pour la 11 mai. C'est ton défi. Chat GPT. Ouais, ouais. Ayúdame, por favor. C'est ça que j'ai appris à Cuba, moi, la semaine passée. Aide-moi un brin. C'est tellement difficile. Moi, si je suis Laurent Courtois, j'essaie de préparer mon équipe. T'essaies de la préparer pour affronter Lionel Messi et compagnie. Mais ces gars-là ont joué 90 minutes hier soir dans un match ultra important, le match aller de la Coupe des champions qui te mène à la Coupe du monde des clubs, qui pour moi est clairement la priorité de Miami par rapport à un match, entre guillemets, pour eux, banal face à Montréal. Donc, je m'attends à les voir moins utilisés. Est-ce que ça veut dire dès le départ? Est-ce que ça veut dire couper leur temps de jeu en cours de match? Mais je parle à des collègues qui, eux, sont convaincus qu'ils vont jouer. Donc, c'est vrai. En termes de préparation, là, hey, t'es un défenseur du CF Montréal. C'est vraiment difficile de savoir à quoi t'attendre. Puis ça serait triste pour les fans de regarder ça, puis que Messi touche pas au gazon, là. Ouais, t'as raison, mais moi, je pense que s'il touche pas au gazon là, il va toucher au gazon le 11 mai à Montréal. Tu prends quoi des deux? Non, je suis d'accord, mais as-tu une garantie? Mettons, tu mettrais-tu ta maison là-dessus? Je mettrais ma garantie. Hey, écoute, avec Lionel Messi, je te confirme que je mettrais ma maison sur rien. Je mettrais peut-être mon iPhone, vu qu'il est en partie propriétaire d'Apple à ce stade-ci, là, mais sur rien d'autre. C'est bon. Il y a des joueurs qui vont vivre un thrill extraordinaire, tu sais, essayer de le contrer, ouais. Essayer de l'arrêter, puis je pense tout de suite à Jonathan Serrois. Ah ouais, puis ça, là... Tu sais, tu le sais, peu importe le sport... Pour un gardien, ce qui est le plus difficile, c'est pas exécuter en soi. C'est tout ce que tu sens pas et vois pas venir. Puis Jonathan Serrois a jamais touché, ne serait-ce qu'un brin, à ce qui est sur le point d'affronter face à Lionel Messi, Luis Suarez. C'est des gars qui déguisent tellement bien ce qu'ils font. Il y a personne pour moi sur la planète qui maquille mieux une passe qui... est supposé t'en aller à droite, puis tout d'un coup, ça part à contre-courant à gauche. Puis ça, pour un gardien, c'est deux choses. Un, t'es souvent mal positionné. Puis deux, c'est ta communication. Ce qui va être plus important pour Jonathan Serrois, c'est pas ses gants, c'est pas ses crampons, c'est sa voix. Ça va être de s'assurer que tous ces gars en avant de lui sont au courant du trafic qui tourne, parce que du trafic, il va en tourner pas à peu près. Un match comme ça, contre une légende comme Messi, on aimerait ça, mettons, que notre Joseph Martinez... fasse comme « Ah oui, vous êtes venu voir Messi, je vais vous montrer Martinez. » Mais tu sais quoi? La bonne nouvelle, c'est que Joseph Martinez se dit la même chose en parlant de lui à la troisième personne en ce moment. Tu sais, t'es Laurent Courtois. Si ça avait été le premier match de l'année, physiquement, Joseph Martinez était à court. Là, il y a eu quelques semaines supplémentaires, puis tu l'amènes face à son ancien club. Écoute, t'as absolument rien à faire. Martin, comme un cheval de course, là. Tu lui donnes une claque sur une fesse en sortant du vestiaire, puis il part sa trace pour s'en aller sur le terrain à Miami. Ce gars-là va être motivé. Tu sais, il a été sorti de Miami parce que Luis Suarez, le chum de Lionel Messi, est arrivé. Et c'est pas parce que ça en fait un mauvais joueur, c'est juste qu'il n'est pas à la hauteur de Luis Suarez, qui d'ailleurs est en feu là, depuis son arrivée cette saison. Mais en termes de motivation, puis en termes de moments à saisir pour montrer, pas juste à Montréal, pas juste à Miami, à la MLS au grand complet, que Joseph Martinez a encore de la graine de ce qui était en 2017-2018, écoute, la table est mise là, à la perfection. Est-ce que tu penses qu'il pourrait même démarrer le match?
Moi, je pense qu'il démarre le match. Je pense qu'il faut qu'il démarre le match. Et je pense aussi que tu es mieux de t'atteler si tu veux gérer Joseph Martinez, si tu décides de ne pas lui faire commencer le match. Parce que c'est certain qu'il demande un départ. Puis, de toute façon, avec les blessures qu'il y a eu sur la dernière semaine, le scénario est parfait. Je ne sais pas combien de temps il y a dans les jambes, mais même si c'était juste une mi-temps, sachant que depuis la COVID, tu peux faire 5 plutôt que 3 changements et que le changement que tu fais à la mi-temps ne compte pas comme un des 3 moments de changement que tu peux utiliser. Moi, c'est garanti que je le fais partir à moins d'un gros pépin physique. Et dernière question pour toi, Laurent Courtois, si jamais le CF sort de là invaincu, nul ou victoire, ça veut-tu dire que Courtois est pour de vrai le CF aussi? Ben, je pense qu'on sait déjà que Courtois est pour de vrai. On ne sait pas ce que le futur va amener. Mais si c'est une victoire, écoute, ce serait fou, là. Ce serait le deuxième meilleur départ. Puis il y a eu des fois où les départs sur tes 3 premiers matchs, il y avait un match à la maison. Sur 3 rencontres, ce serait le deuxième meilleur départ de ton histoire en MLS depuis 2012. La dernière fois que tu as fait ça, tu avais un paquet de vétérans qui connaissaient bien la Ligue. Tu avais Alessandro Nesta, Matteo Ferrari, Marco Di Vaio et compagnie. Là, dans les buts, tu as Jonathan Serrois qui est dans la Ligue depuis 1 an et 2 games. Tu sais, de réussir un exploit comme celui-là, ce serait phénoménal. De le faire en plus chez Lionel Messi, ce serait extraordinaire. Puis ce serait une confirmation de bien des choses. Le choix de Courtois, sa manière de communiquer aux joueurs et les joueurs, à partir de là, as-tu besoin d'être convaincu davantage que ce que le coach et le club ont mis devant toi comme projet est la bonne chose à suivre? Tu sais, c'est sûr que tout le monde va être investi à 100% s'ils ne sont pas déjà. Lionel Messi, l'Inter Miami contre le CF Montréal, ça se passe dimanche à 17h. Olivier Brett, gros merci mon chum, bon week-end. Salut, bonne fin de semaine. Un petit rappel de la question du jour, FX. Quelle note donnez-vous à Kent Hughes pour les échanges de Sean Monahan, Jacob Perrault et Jake Allen? A, B ou C? À A, on a 66,5% des auditeurs qui ont voté A. À B, 28,3% et à C, 5,2%. On est satisfait du travail du directeur général du Canadien. On vous en parle depuis cet après-midi dans l'émission de Gonzo et de Georges. Un ancien directeur général de la Ligue nationale de hockey vient nous parler. C'est la première entrevue depuis son départ à titre de directeur gérant. Vous voulez savoir c'est qui? Bougez pas, on vient. Suivez en temps réel le marché des transactions sur nos pages Twitter, Facebook et Instagram. Les rumeurs, les prédictions, les confirmations. BBM Sports.
sportif. Il y a des moments dans la vie, des fois, tu dis, hey, c'est un privilège. Aujourd'hui, en préparation de l'émission avec François Xavier, on se disait, tu sais, tout le monde fait leur travail, les anciens joueurs, les anciens coachs, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, ça serait le fun de parler à un ancien directeur gérant. Bon, on s'est demandé, penses-tu qu'il nous parlerait? François Xavier, il l'a texté et sans hésiter, tout de suite, il a accepté notre invitation. C'est sa première entrevue depuis son départ des sénateurs d'Ottawa. Je le prends comme un privilège. Pierre Dorion, bonjour, comment ça va? Ça va bien, Martin, et toi? Ben oui, ça va bien. Merci, Pierre, de nous faire confiance comme ça. Ah, oh, ça me fait plaisir, Juste en train de conduire, mais je suis de la Côte-Nord en ce moment, là, en chemin pour Québec. Très gentil. Et puis en plus, en chemin pour Québec pour aller voir Fiston. Oui, les remparts ont un gros match ce soir contre les Olympiques de Gatineau. C'est-tu le côté positif de toute cette histoire-là? C'est que maintenant, t'es un papa 24-7, puis tu peux aller voir ton fils quand bon te semble? Oui. C'est la première fois depuis que je pense qu'il jouait à Tombe que je peux voir plus que 10 matchs dans une saison, puis ça tombe bien. C'est possiblement son année de repêchage, donc c'est le fun que papa soit l'entour. Puis ce papa, qui était un très grand dépisteur, un très grand chef dépisteur, était encore dépisteur dans la Ligue nationale de hockey, ça serait quoi son rapport sur le jeune Dorion? Je sais pas si c'est vrai ça que je donne. Je dirais travaillant, c'est comment jouer des deux sens de la rondelle. Bon sens d'hockey, bon patin en fait de vitesse, doit améliorer un peu son agilité et ses départs. Doit améliorer. Il a toujours été superbe et mis au jeu, mais cette année c'est un peu moyen. Mais c'est quelqu'un qui adore l'hockey, qui travaille fort. Puis on va voir qu'est-ce qui va arriver cette année puis au mois de juin. Tant mieux, c'est le fun. C'est le fun qu'on peut, tu sais, d'un papa à un autre, c'est le fun de voir nos enfants s'épanouir dans ce qu'ils aiment. Pierre, quand je t'ai téléphoné ou texté ce matin pour savoir si on pouvait se parler, le but, c'est vraiment de savoir comment ça se passe dans le bureau du DG quand ça vient cette fameuse date limite des transactions. Mais je ne ferais pas mon job si, comme tu l'as bien écrit, que c'était ta première entrevue depuis ton départ de Ottawa. Sais-tu, tu es un passionné. On pouvait le voir sur dans ta boîte, dans ta loge, que tu prenais ça avec passion. On le sait quand il y a un nouveau propriétaire que des fois, il y a des choses qui changent. Malgré que tu savais que ça pouvait arriver, sais-tu été une pilule difficile à avaler pour le gars passionné que tu es? Ah, oh, ben oui, c'est sûr. T'sais, on commence une reconstruction. Peut-être à notre première année, on était une équipe un peu plus compétitive. T'sais, on était en finale de conférence, septième match. Je pense que Guy Boucher a fait un travail exceptionnel nos deux premières années. Par la suite, on commence une reconstruction et on n'a pas la chance de finir le travail qu'on a commencé. Donc, ça fait un petit pincement au cœur. Ça dérange un peu. Mais ça fait partie du métier. Tu sais, j'étais énormément chanceux. J'étais un de 32 de pouvoir faire ce poste-là. J'ai pris beaucoup d'expérience. Je pense peut-être que j'avais un peu plus de défis que d'autres DG dans la Ligue avec certaines choses qui m'ont été lancées dans mon parcours de directeur gérant. Mais ben oui, ça l'affecte. Mais tu sais, des fois, ça l'affecte la personne, mais on pense pas des fois ça l'affecte les gens autour de nous. Tu sais, ça a affecté ma fille. Elle est débarquée sur les réseaux sociaux. Indirectement, je pense que ça a affecté mon garçon, ça a affecté ma fiancée. Donc, ce côté-là, c'est nous autres, on s'en remet assez vite, mais c'est les gens autour de nous, des fois, qu'on réalise que ça l'affecte un peu plus. C'est fou. Puis le pire, c'est que peu importe ce que les gens diraient sur ton règne, on a juste à regarder les sénateurs et l'héritage, la quantité de talent que tu as laissé. Oui, c'est une reconstruction, mais il y en a souvent qui se trompent en reconstruisant dans leur choix, dans leur sélection. Non, exactement. Ça, je pense que j'ai laissé les sénateurs entre bonnes mains avec le talent qu'ils ont, le noyau qu'ils ont. Puis je prends encore pour eux autres, je regarde beaucoup de leurs matchs, je ne vais pas te le cacher. Je regarde la plupart des matchs des sénateurs, surtout les matchs des Canadiens, que je passe beaucoup de temps tremblant. Je pense que le noyau est bon avec les sénateurs et je pense que dès l'année prochaine, ça va être une équipe qui va pouvoir compétitionner plus ici. Brady Tkachuk, puis je vais juste faire une parenthèse. Tu sais, je pense que tu le sais, ma relation que j'ai avec Guy Boucher, c'est quand tu dis j'avais des bails courbes qui étaient tirés à mon endroit dans le sens que c'était pas une façon facile de travailler à Ottawa. Si tu savais comment je comprends tout ce que tu veux dire puis que j'en parlerai pas en monde, mais je comprends toutes les balles courbes avec lesquelles que tu as dû travailler. Fin de la citation.
Brady Kachuk, mm-hmm. t'en as fait ton capitaine. Je pense que personne dans les sources que j'ai autour de l'équipe, il n'y a personne qui dénigre que c'est un gars avec du leadership, etc. Mais peut-être qu'il ne partage pas assez son leadership ou qu'il a encore à apprendre sur le leadership. Crois-tu que ça va venir avec l'expérience? Est-ce que tu partages ça? Comment tu le vois comme capitaine dans l'équipe? Oh, je pense que c'est un capitaine superbe. Je pense que comme tout jeune capitaine, tu dois trouver ton rôle dans la chambre, savoir quand parler, savoir quand pousser certains autres vétérans, savoir quand demander, que ce soit à Thomas ou à Claude Giroux, ses assistants, ou auparavant quand Austin Watson était là, ou que ce soit Hamonic, de l'aide des fois, parce que pas personne ne peut prendre ce rôle-là tout seul et faire tout seul, mais je pense que c'est un capitaine exceptionnel. Tu sais, on parlait de Guy. Guy a fait un travail exceptionnel aussi à ses premières années avec Brady, l'aider à le former le joueur qu'il est. Donc, mais je pense pas que... Je pense que c'est juste... Tu sais, il y a certaines choses que Thomas fait mieux. Tu sais, comme Thomas est peut-être meilleur organisateur de quand les joueurs et les femmes se rassemblent ensemble. Ils ont plus d'activités à la maison de Thomas, mais ça n'enlève rien comme capitaine Brady est exceptionnel. Quand je t'ai appelé aujourd'hui, texté, c'est parce que je voulais que tu me parles de la façon d'un directeur gérant nouvelle ère. Je veux pas un directeur gérant qui était là des années 80. Ça a changé. Vous avez plein de choses à votre disposition, les statistiques avancées, etc. Comment tu prévoyais, tu organisais cette journée de date limite des transactions? Quand tu étais dans la peau du vendeur, qui est autour de toi? Est-ce que tu as des tableaux devant toi? Tout est sur ordinateur. Fais-nous vivre, Pierre, comment ça se passe à l'intérieur du war room d'une équipe de la Ligue nationale de hockey. Bien, c'est la journée la plus excitante comme un DG. On fait du hockey. Comme les gens ne réalisent pas que on s'assied pas habituellement dans mon bureau avec le quotidien et juste faire du hockey. Il y a tellement d'autres choses qui rentrent dans le travail d'un DG, que ce soit les négociations de contrat, parler à l'entraîneur-chef dans les mineurs, quel que ce soit. Donc, une journée comme aujourd'hui, la plupart de ton travail est fait, quand que tu sois vendeur ou acheteur. Si tu es vendeur, tu fais sûr que toutes les équipes, les joueurs que tu vas vendre, que toutes les équipes sont au courant, c'est quoi que sont tes demandes. Une fois que tu as une offre que tu aimes, tu retournes sur les autres équipes, faire ça, voir si cette offre-là peut être améliorée ou pas. C'est un jeu de beaucoup de tag téléphone une journée comme aujourd'hui. Les gens qu'on a alentour de nous, tu sais, évidemment, t'es visiteurs professionnels, t'es gens pour ton cap, pour faire sûr que Ottawa, c'était toujours être par-dessus le plancher salarial, mais il y a certaines équipes que c'est plus. OK, si on fait cet échange ici, combien, c'est quoi le pourcentage que l'autre équipe doit retenir pour qu'on rentre dans ces, qu'on puisse suivre le cap salarial? Donc, des journées comme ça, c'est des journées qui sont toujours énormément plaisantes pour un DG. Souvent, ça commençait pour moi à 5h30. Je sais que je parlais à plusieurs gérants à partir de 6h le matin, la journée ici. Je me rappelle quand j'ai fait l'échange de Pajot avec Lou, on s'est parlé, je pense, qu'il était 6h et j'ai dit, tu peux m'appeler toujours n'importe quel temps après 6h, je suis un lève-tôt. Donc, je pense que j'ai parlé à Lou à 6h05 ce matin-là pour essayer de compléter cet échange-là. Donc, c'est une journée qui est vraiment, je peux dire, le fun pour un DG parce qu'on fait simplement du hockey et des échanges qui est une des parties les plus plaisantes pour un DG. Est-ce que une fois que tu as ce que tu veux, tu appuies sur le bouton? Ou tu essaies toujours de relancer ceux qui étaient intéressés au même gars pour toujours avoir plus, ou une fois que tu as ce que tu veux, tu y vas? Ça dépend. T'sais, si tu as, on va dire, là, je suis juste un exemple, si tu sais que tu as juste deux équipes sur un gars, puis c'est une équipe qui vend, là, c'est le temps, tu pousses le bouton, tu appelles l'autre équipe, tu n'as pas pu mettre ma offre, j'ai donné mon mois à DG ici, ou si tu as plusieurs équipes. Après un certain joueur, là, tu refais le retour, mais tu essaies de faire un tour un peu plus vite parce que tu veux pas perdre la meilleure échange. Puis si je peux donner un exemple de ça, c'est quand j'ai fait l'échange pour Nick Paul, pour Mathieu Joseph, Julien Brisebois, il est venu avec un joueur, puis je me rappelle toujours, il va, Pierre, comment ça a l'air? Je vais, ben là, Julien, pardon l'anglicisme, je vais être dans le driver's seat, il faut juste que je parle aux autres équipes, puis on a pu faire l'échange le lendemain ou en fin de soirée.
Oui, puis lui, ça s'est avéré qu'il n'a plus signé, puis Mathieu, tu as pu garder Mathieu Joseph par la suite. Ça arrive-tu des transactions, Pierre, où tu fais « shoot, je l'ai manqué ». Tu sais, nous autres, là, on fait ça des émissions. Lui, il a fait une bonne transaction, lui, il a fait une mauvaise, lui, il a fait une bonne. TSN a fait ça, Sportsnet a fait ça toute la journée. Ça arrive-tu que Pierre Dorion, il s'assoit chez eux, puis il regarde sa douce, puis il fait « ouais, celle-là, là, pas sûr que j'ai bien réussi », ou celle-là, tu fais comme « oh, celle-là, je l'ai eu bien comme il faut ». Non! Je pense qu'il y a assez d'experts qui nous louangent ou qui nous critiquent que, tu sais, on a un travail à faire. J'ai toujours, tu sais, j'ai jamais été trop haut ou trop bas sur toute transaction. Peut-être au début de ma carrière un peu plus qu'à la fin. Mais j'ai toujours appris que, tu sais, quand on fait notre travail, quand on connaît le marché, on a une bonne idée de qu'est-ce qui peut arriver. Tu sais, il y a certaines fois que, comme DG, des fois, on peut se faire lancer des courbes, que ça vienne d'un propriétaire ou d'un président qui dit, OK, on doit baisser la masse salariale. Donc, tu sais, on a un peu moins de marge de manœuvre. Exact. Mais de ce côté-là, tu sais, c'est rare que la marge de manœuvre puisse augmenter pour ajouter, parce qu'on doit travailler qu'une masse salariale. Mais en général, j'ai toujours essayé de rester assez à un niveau égal sur mes émotions. Qu'est-ce que tu as pensé de la transaction de Jake Allen? Marché des gardiens, tout le monde dit que c'est mort. Puis s'il y en a un qui en a échangé des gardiens, c'est bien Pierre Dorion. Oui, pour le bien et pour le mal. Hey, on les réussit pas toutes, Pierre, là. Non. Mais de voir Kent Hughes réussir à passer son troisième gardien parce qu'il était pris dans un ménage à trois et qu'il n'a pas eu à sortir un choix, mais au contraire, il a reçu un choix. Oui, il garde du salaire. C'est-tu des transactions des fois que tu regardes de loin et tu fais bien joué des deux côtés ou je pensais jamais qu'elle allait avoir ça? Comment tu vois ça? Ben, tu sais, c'est un peu difficile de faire des commentaires quand je ne cache pas dans le feu de l'action. Exact. Donc, je sais pas comment est le marché, mais moi, je donne beaucoup de crédit à Kent et ils sont un peu dans la même position qu'on était à Ottawa. Il fait une bonne reconstruction. Évidemment, c'est un ménage à trois. Il était très patient. Le fait, je pense pas que le Canadien a des problèmes de cap salarial avec donc retenir, c'est pas un problème. Et tu regardes là avec toute l'information maintenant, les deux gardiens pour les Devils, c'est là, je sais pas c'est quoi le statut de Kaunin, le nouveau qui ont été cherchés aussi avec Jake Allen. Il est agent libre après l'année. Il est agent libre après cette saison. Donc ils peuvent aller. C'est la chose qui est importante, c'est si tu peux aller chercher un choix de deuxième ronde, tu joues 40 matchs. Puis là, Vinacek n'est plus là, évidemment. Donc, c'est quelqu'un qui a une moins bonne feuille de route. Est-ce que les Devils vont aller chercher quelqu'un d'autre qui pourrait affecter que ça ne devienne pas un choix de deuxième ronde et ça reste simplement un choix de troisième ronde? Mais aussi, ça donne la chance aux deux gardiens des Canadiens ils vont cohabiter cette saison juste les deux et ça va être probablement le tandem pour l'année prochaine. Donc, ils peuvent former une relation juste les deux sans que Jake soit là, autant qu'on entend dire que Jake est un très bon pro. Donc, je pense que c'est une bonne transaction pour Kent. Tu fais plaisir à Alexandre Thibault sur la messagerie texte qui voulait avoir ton point de vue sur comment les Canadiens faisaient les choses. Tu vois, tu y as répondu sans même, je te pose la question. Les gens ont adoré t'entendre dans une autre fonction que celle de DG des Sénateurs d'Ottawa. Pierre Dorion, je peux pas te remercier plus que je l'ai fait en début d'entrevue. Je te laisse être un papa ce soir, puis si tu veux, je te rappellerai d'ici la fin de la saison. Parfait, ça me fait plaisir. Mais la chose la plus importante que les Canadiens ont faite aujourd'hui, c'est Joshua Roy et Struble. Ça, pour leur futur, pour qu'ils soient partie d'une équipe gagnante jouant en série, ça, c'était le meilleur move de Kent aujourd'hui. Hey, je suis content. Je dis comme toi. C'est quoi? On l'a vécu à Binghamton lorsqu'ils ont gagné. Ça l'a affecté que l'équipe gagne, accède aux séries l'année d'après. Ils avaient gagné la Coupe Calder. L'expérience de jouer des gros matchs dans les séries, on espère que le Rocket fait les séries, il n'y a rien qui peut enlever ça, surtout quand l'équipe, des jeunes qui vont grandir ensemble, quand il y en a 6 ou 7 qui vont jouer pour le Canadien dans le futur, quand l'équipe va faire les séries, je pense que c'est de l'expérience qu'on ne peut pas enlever à ces joueurs-là. Pierre, merci infiniment. Je sais que Mathias t'écoute, puis je m'astine tout le temps sur ce point-là avec lui. Tu viens de faire ma journée. Je te laisse être un papa, je te rappelle, c'est certain. Merci infiniment de la confiance, puis bon week-end à toi. OK, bon week-end. Bye-bye. Pierre Dorion, l'ancien directeur gérant des Sénateurs d'Ottawa. Le Shift de Mathias Brunet, une présentation d'Hypothéca. Quand on renouvelle son hypothèque et que les taux d'intérêt sont élevés, c'est vraiment important de faire le bon choix. Pour établir une stratégie gagnante,
trouvez votre courtier au hypotheca.ca. Votre hypothèque, on s'en occupe. Comme à chaque présence, il va tout donner. Et même plus. Brunet! Ah ouais, ça glace! C'est le shift de Mathias Brunet. Hello, Mathias! Hello! Merci d'avoir fait don de quelques minutes à Pierre Dorion qui donnait sa première entrevue depuis son congédiement avec les sénateurs de Toronto. Il a décidé de le faire à BPM. On l'apprécie grandement. Puis merci à toi, Mathias. Un gros coup. Bravo. Merci à FX de tout. Puis merci à Pierre d'avoir répondu. Je peux même vous dire que ça a été hyper facile. Pierre a répondu dans l'immédiat. Ça va me faire plaisir. Bon. Puis il a été très généreux envers les espoirs du Canadien à Laval en disant qu'il y en aurait 6 ou 7 éventuellement à Montréal. J'en vois un ou deux, mais c'est gentil de sa part. On ne sait jamais. On peut tirer l'élastique, hein, Mathias? On ne sait jamais. Mais Joshua Roy, Struble, ça fait deux. Joshua Roy. Juste pour clarifier, puis je voyais que tu me faisais des petits signes, c'est correct, hein? Des petits signes pendant l'entrevue, là. J'ai jamais dit que c'était mauvais de se développer dans la Ligue américaine en série, mais il ne faut pas en faire une maladie non plus. Joshua Roy et Struble, c'est parfait. Ils ont été cédés techniquement à Laval pour les aider. Mais tu vois, Roy est encore à Montréal pour l'instant. Moi, je pense que pour son développement en ce moment, si ça va bien, on le laisse à Montréal. Mais garde, au moins, on a fait le job technique de dire ils vont être disponibles si jamais ça s'en va plus loin. Mais Mathias, si jamais le Rocket rentrait en série, là, on jase. Là. Roy, Struble, Mayu, Dobesh et Rheinbacher, tu n'as 5. OK, Mayu, tu viens déjà de le confirmer, Dobesh. Est-ce que c'est un bel espoir pour le Canadien ou non? Non, c'est des espoirs, oui. Mais moi, je pense que tu vas en avoir 2 ou 3 qui vont vraiment passer dans l'entonnoir. En tout cas, tu sais, là, c'est vraiment de la spéculation. Ils sont repêchés, sont avec le Canadien. Mayu est assez dominant pour être au match des étoiles. Dobesh, le filet comme gardien but numéro 1, fera peut-être un gardien but substitut si c'est pas à Montréal, ailleurs. Mais c'est en jouant en série que tu vas montrer de quoi tu es fait. Les autres équipes vont le voir. Moi, j'en compte 5 sans forcer. Puis je défends mon nouvel ami Pierre Dorion. Bien, dans quelques années, on va s'en reparler, mais tu sais, bon an, mal an, c'est tout le temps 2-3 à peu près de la Ligue américaine qui joue un rôle de premier plan. Mais regarde, on pense la même chose, c'est juste qu'il y a des petites subtilités en tout. Mais parlons plutôt, écoute, je suis convaincu que tu as été surpris comme moi d'apprendre cet échange-là de Jake Allen. T'sais, à toi, j'ai pensé, Mathias, le premier, puis tu sais, je ne m'en suis pas caché. T'es bien informé. Pierre Lebrun a collaboré, qu'est-ce que tu as dit en disant il n'y a rien pantoute. De mon côté, j'ai vérifié, on m'a dit si le Canadien devait se séparer de Jake Allen, le Canadien devrait payer. Fait que c'est sûr que je me suis fait taquiner sur les médias sociaux, puis c'est de bonne guerre parce que j'ai pris de position en disant retenez pas votre souffle, Allen, ça vaut 0. Fait que le monde m'a sauté dessus aujourd'hui, puis c'est bien correct. C'est une belle surprise. Mais tu peux aussi leur répondre que c'est la magie de la journée limite des transactions. Tu vas toujours avoir un directeur général à un moment donné. Tu ne sais pas dans quel état d'esprit il est. Tu ne sais pas comment étaient les autres négos. Il a peut-être raccroché à Conroy avec Markstrom. Il est en maudit. Il veut faire suer Conroy, puis il se dit, je vais me revirer. Là, je n'ai plus de gardien. Il reste 5 minutes. Puis même Kent Hughes l'a avoué, jusqu'à ces derniers jours, il n'y avait même pas de discussion. Il n'y avait pas d'offre pour ses gardiens. Pas d'offre. Alors là, tu as un DG épuisé. Il veut se retrouver. Il veut avoir quelque chose sous la main. Écoute, il ne s'est pas déshabillé non plus, Fitzgerald. Mais d'obtenir un choix de 3e tour un gardien qui a une année médiocre, à 3,8 par année, bon, bien là, le Canadien retient ça, évidemment. C'est pas parfait, mais tu règles ton problème de 3 gardiens, puis tu as un choix de 3e tour qui peut devenir un choix de 2e tour. Puis tu sais quoi, Mathias? Je l'ai dit souvent, je l'ai parlé tantôt avec Pierre. Je pense pas qu'il y ait un directeur gérant qui est sans dessein. Là, on peut avoir avec la transaction Vitek Vanecek à San Jose comprendre. Vanecek, il avait un contrat pour l'an prochain. Kakkonen n'en a pas. Fait que là, ce qu'il vient de faire, c'est qu'il est allé chercher un gardien but substitut. Puis crois-moi, il n'en jouera pas 40. Non. Pour 1,9 million. OK? Et là, il a libéré la place de gardien but numéro 1. Et cet été,
Markstrom, Hallmark ou un autre sera le gardien de but numéro 1 des Devils du New Jersey. Je suis convaincu que les Devils viennent d'apprendre à la dure que ça se fait pas ce qu'ils ont fait cette année rentrer en saison régulière avec des gardiens de but à peu près. Parce que si tu te souviens, Vanecek avait été signé pour être moitié-moitié au substitut à Mackenzie Blackwood qui a été blessé toute l'année. Oui. Surprise, Vanecek fait bien. On pallie au poste de numéro 2 avec Daz ou... comment il s'appelle, les autres qui étaient en Syrie avec eux l'an passé? Comment? Schmidt? Akira Schmidt, oui. J'aime ça quand les gens me shotent. Dites-moi, je le dis que je ne m'en souviens pas. Akira Schmidt. Fait que là, il n'y en aura plus de niaisage de même. Ils vont avoir un vétéran numéro 2 et je suis convaincu qu'ils vont partir après un premier cet été. Ils viennent de montrer ses pièces pour la saison prochaine. Exact. Et là, c'est une bonne transaction. Le Canadien règle son problème, échange son gardien de plus âgé. Est-ce qu'on lui a trop donné? Oui. Puis en même temps, il faut dire Jake Allen. Kent Hughes a bien fait de le remercier. Il a été très utile. Je ne suis pas convaincu que Montembeault serait le gardien qu'il est aujourd'hui sans Allen. Et tu vois, justement, tu en parlais, tu donnais l'exemple des Devils. Bien, le Canadien l'avait, cet auxiliaire-là, ce bon coéquipier-là, ce vétéran qui l'a épaulé, Montembeault, en sachant très bien qu'il ne serait pas là pour ramasser le dessert. Pas de jalousie, pas de friction. Fait qu'il a joué un rôle important à Montréal, même s'il a été surpayé. Mm-hmm. Non, non. Puis, comme j'ai dit, je ne crie pas au génie. Là, quand j'ai vu le monde crier au génie, là, calmez-vous, c'est quand même l'erreur de Kent Hughes. Puis, il va encore payer 1,9 pour être sûr qu'il ne garde pas les buts chez eux l'an prochain. Fait que si Nashville porte le bonnet blanc au bonnet blanc-bonnet à payer 4 millions pour être sûr que Ryan Johansson ne joue pas chez eux, c'est la même affaire pour le Canadien qui paye 1,9 pour être sûr que Allen ne soit pas chez eux. Mais erreur, je trouve quand même le mot est un peu fort compte tenu de l'apport de Allen sur le développement de Montembeault. Est-ce que je peux me permettre un contre-argument? Oui, argument ou proposition? Non, contre-argument. Okay. Quand Kent Hughes signe Allen, puis j'y vais de mémoire, là, il y avait encore un an sur le contrat de Jake Allen. OK. Il avait pu se rendre au bout. Puis Jake, il n'aurait pas nécessairement voulu partir, puis ça n'aurait pas coûté 3,8. Ouais. Okay. Il n'y avait pas de presse à signer un gardien de but numéro 2 de 30 quelques années. OK. Écoute, je vais pas gaspiller de salive là-dessus. C'est correct. C'est correct. C'est vendredi. Non, mais tu sais, c'est oui, peut-être. Peut-être. Ah ouais. Mais en même temps, c'est pas un désastre, là. Non. Parle-moi de David Savard. Oui. Ben. Le Canadien avait fixé un prix qui était un bon prix pour être sûr de ne pas avoir à s'en départir pour... Il l'aurait jamais donné pour un choix de deuxième tour. Je suis sûr qu'il aurait réfléchi pour un choix de premier. Mais je suis aussi sûr qu'il est content que David Savard soit encore là aujourd'hui. Puis il ne sera pas échangé cet été. Là, maintenant que la date limite des transactions est passée... On va le garder l'an prochain, puis on va voir jusqu'où ça va aller l'an prochain selon la saison du Canadien. Puis si le Canadien se bat pour une place en série l'an prochain, qui sait si on ne va pas le garder non plus, parce que, puis tu sais, tu l'as dit aussi souvent, la part de Savard sur Jack Hayes, sur les jeunes de l'organisation, bien, Kent Hughes l'a bien expliqué, là, c'est que tu es prêt à perdre de la valeur sur Savard pour ce qu'il va te donner. Moi, quand je te disais que si Toronto te donne un choix de première qui est autour du 20e, pour moi, c'est un prix que ça m'aurait fait mal, mais je l'aurais fait. Mais pour un choix de deux ou un choix conditionnel de première qui se retrouve au 31e rang, tu es mieux de garder Savard. Ouais. On n'est pas d'accord sur la valeur, mais on est d'accord sur le principe de le garder. Oui. Vegas, déjà qu'on capotait quand ils ont fait l'acquisition de Anafin et de Anthony Manta, il n'y a personne, pas un insider en dessous de n'importe quelle roche qui avait vu l'affaire Hurtle arriver. 6 années de contrat qui s'en va à Vegas. Ils ont payé en plus pour l'avoir, mais ils sont complètement fous. Surtout que tu mesures 6 pieds 2, 3, 4, t'es un grand bonhomme, t'as du talent, on va te chercher. Puis Bob McKenzie avec le scoop, qui est en semi-retraite, qui est sorti de sa... qui a lâché sa margarita pour revenir. Hey. Puis le vieux lion qui rugit. Ça, c'est-tu pas le numéro de téléphone de George McPhee dans son téléphone, ça? Hey, voyons donc. Puis George McPhee, là, t'as pas besoin de tordre un bras ben pour qu'il te dise quelque chose. Ben non.
Écoute, évidemment que là, Vegas est outillé pour la guerre. Je vais faire attention à ce que je dis parce que Vegas trouve toujours un moyen de se débrouiller. Puis là, ils vont chercher un gars qui va avoir 31 ans l'an prochain, à qui il reste 6 années de contrat avec la retenue de salaire à 6,7. Je ne sais pas comment ils vont faire pour gérer leur masse salariale. Hurtle est un gars de 60-65 points maintenant. Ils vont all-in encore, puis ils s'arrangeront, puis ils s'arrangent tout le temps. Ah ouais. Et dans le fond, sais-tu qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu viens toi, Paturity, pour rien. Ils prennent des gars de 5 millions, puis qui qu'ils veulent pour gratis? Ça me dérange pas, genre signe des joueurs autonomes qui veulent venir jouer à Vegas. Fait que les donner pour gratuit, pour en signer d'autres gratuits, il n'y en a pas de problème. Là. Et pour San Jose, c'est un échange inespéré. Parce que tu as un gars d'une trentaine d'années qui n'était plus dans les plans. Ta reconstruction, là, tu pars avec des kids de 20 ans et moins. Là. Fait que à 6 ans, là, ce contrat-là était désastreux. Là. Fait que tu vas chercher un espoir qui est choisi en fin de premier tour à Strom. Tu vas chercher un choix de premier tour. C'est parfait. Tu viens de t'enlever des livres un salaire de 6,7. Tu sais, eux autres, là, s'ils veulent se remettre à gagner dans 4 ans, 3-4 ans, ben, il y a quasiment 7 millions qui s'effacent de leur masse. Puis ils vont chercher des choix puis des espoirs. Ah oui, puis tu sais, dans le cas d'Hurtle, avec la tenue de salaire des Sharks, c'est 6 750 qu'il va coûter. Pour un joueur, un deuxième centre, c'est bien correct. Et là, ils pourront, mettons, laisser aller. Je sais que c'est la dernière année de Marchessault. Je pense qu'il l'aime, mais il est quand même rendu à 33 ans. Fait que, mettons, qu'il décide de ne pas signer, je serais surpris, là, Chandler Stevenson, ou qu'il déciderait... Tu comprends-tu? Ils vont... Mais là, c'est parce que tu as Anifin aussi. Tu sais, tu as donné un choix de première aussi pour Anifin. Veux-tu garder Anifin? Là, tu as Martinez à défense qui s'en va à 5 millions, mais il va falloir qu'il fasse des calculs, là. C'est... Ouais, c'est ça. Mark Stone au début de l'année, mais ça n'arrivera pas. Martinez à 5 millions, tu as bien raison, va quitter les livres. Fait qu'ils peuvent offrir ce 5 millions-là à Anifin. Ah non, c'est Anifin, ça va coûter plus cher, là. Tu penses que ça va coûter plus cher que 5? Ah oui. Mais ils vont avoir des choix. Ils vont avoir des choix quand même à faire, mais eux, ils se disent, garde, gagnons la coupe, puis on verra. On gère ça après. On verra. OK, Mathias, un énorme merci. Yes. Bon week-end. Puis, oui. Il annonce, t'es dans le nord, il annonce 30 cm de neige. C'est correct. Que ce soit du ski ou du bûcheronnage, on va s'amuser. François, puis là, ici, ben, c'est le fun parce que là, on commence les semaines où tu as des jeunes qui vont s'en venir. Tu as de l'évaluation à faire. Ça va être Moi, je la trouve intéressante la fin de saison. Je trouve ça intéressant pour les clubs en réinitialisation ces fins de saison-là. OK. Merci, Mathias. On se reparle lundi. Bye. Salut, bonhomme. Le Shift de Mathias Brunet, une présentation d'Hypothéca. Un an, trois ans, cinq ans, fixe, variable, fermé, ouvert, payé au mois, payé à la semaine. Pas facile de choisir. Pour de bons conseils, trouve ton courtier au hypothéca.ca. Ton hypothèque, on s'en occupe. Sport. Flash. Oui, cette fois-ci, on va aller rejoindre FX pour parler de cette transaction qui a surpris tout le monde, bien sûr, celle de Jake Allen. Tout à fait. Jake Allen est échangé aux Devils du New Jersey, fin du ménage à trois à Montréal, devant le filet. Un échange contre un choix conditionnel de troisième tour. Le choix de troisième tour peut se transformer en choix de deuxième ronde si Allen dispute 40 matchs d'ici la fin de la saison prochaine. Le Canadien retient 50% du salaire de Jake Allen. Les Canadiens ont effectué des transactions papier aussi avec Joshua Roy et Jaden Strouble afin qu'ils soient admissibles à être retournés à Laval. Thomas Hurtle prend la direction de Vegas. Il n'y a pas grand monde qui l'avait vu venir. Hurtle transigeait avec un choix de troisième tour en 2025 et 2026. Et en retour, les Sharks qui mettent la main sur l'espoir David Edstrom et un choix de premier tour en 2025. Dans les dernières transactions, notamment, Vitek Vanecek a été échangé aux Sharks de San Jose. En retour, les Devils obtiennent un autre gardien de but, Kaapo Kähkönen. Tyler Toffoli est échangé aux Jets de Winnipeg. Le retour est deux choix au repêchage, un troisième ronde en 2024 et deuxième ronde, un troisième ronde en 2024 et un deuxième ronde en 2025. Et parmi les autres transactions importantes, bien sûr, les Hurricanes ont fait l'acquisition d'Evgeny Kuznetsov des Capitals contre un choix de troisième tour en 2025. Les Capitals qui retiennent 50% du salaire de Kuznetsov. Patrick Maroon prend la direction des Bruins. Kalok Posso passe des Sabres aux Panthers et notamment aussi Eric Johnson
qui prend la direction des Flyers. Je vous rappelle que le Rocket est en action ce soir, un match très important pour la course aux séries contre les Monsters de Cleveland du côté de la Place Bell. Anthony Marcotte sera avec vous pour la diffusion de ce match avant-match à 18h30 sur nos ondes. Et en terminant, petite nouvelle, Formule 1, les qualifications sont maintenant terminées. Évidemment, Max Verstappen qui obtient la pole, suivi de Charles Leclerc à 3 dixième et Sergio Perez. Sans surprise, encore Red Bull, encore Verstappen qui partira en tête pour le prochain Grand Prix. Ce qui est le fun avec les Grands Prix, c'est que tu n'as pas besoin de réécrire tes nouvelles. Tu as juste à prendre celui de la semaine passée. Le concours le plus payant de l'histoire de la radio s'en vient. Oui, le plus payant. Pourquoi? Parce qu'on vous offre, en collaboration avec le CF Montréal, une paire de billets de saison qui a une valeur monétaire inestimable. Au retour, on fait un finaliste. Suivez en temps réel le marché des transactions avec toute l'équipe de BPM Sport. À 17h02, je vous l'ai dit, le concours peut-être le plus payant de l'histoire de la radio. Pourquoi? Parce que personne n'est capable de mettre un prix sur une paire de billets pour aller voir Lionel Messi contre le CF Montréal. Et on ne vous donne pas juste une paire de billets pour aller voir
le CF Montréal contre Lionel Messi. On vous donne une paire de billets de 16 ans. Qu'est-ce que ça vaut? Peut-être que pour vous, pour votre cœur, ça vaut $1 million, vous allez aller à tous les matchs. Mais aujourd'hui, on fait un ou une autre finaliste. Et le hasard aura voulu qu'on fait une finaliste en ces journées internationales des droits du droit des femmes. Une salutation, si on faisait encore des salutations, ce serait une salutation que j'aurais fait aujourd'hui, que FX aurait fait. Tout à fait. C'était la salutation du jour. Ce matin, on vous a donné un numéro dans le club du matin. Vous devez nous rappeler. Madame Emma Pétrin, vous avez 9 minutes 19 secondes pour nous rappeler à BPM Sport au 514-790-0919. 514-790-0919. Emma Pétrin, si vous voulez être une finaliste pour cette paire de billets de saison du CF Montréal, c'est parti. BPM Sports s'affronte un événement sportif bien plus populaire que Jake Paul contre Mike Tyson. Oh. Ce soir, s'affrontant du club du matin, le vétéran, les leaders, la colle de cette station de radio, Gilbert Jalard. Comment ça va, mon Marty? Ça va, toi? Ça va bien, Big Ben, ça va bien? Tout le monde est en forme, FX? Absolument, ça va bien en tabaslac. Tabaslac, mon Ben, parfait. Et quand on cherche quelqu'un pour que Gilbert se pogne un peu, on n'a jamais besoin de chercher très très loin. À tous les matins dans le club du matin, il y a un choc des générations qui arrive. Anthony Desaulniers, salut. Moi, je suis comme Jake Paul dans le fond. Oui. Ça veut dire que Gilbert, c'est des gros bras à Mike Tyson. Ça, je comprends. Non, mais on veut. Toi, t'es comme Jake Paul parce qu'on veut tout que Tyson te sac une volée. C'est pas correct. C'est pas correct. Messieurs, avant, j'invite les gens à voter. Ce sera une première également. La question n'a pas été posée d'avance, fait qu'on ne sait pas qu'est-ce que les gars vont nous répondre. Mais qui aura le meilleur argumentaire selon vous? Anto pour Anto et Gilou pour Gilbert. 514-790-0919. 514-790-0919. La question du jour sur les internets, c'est êtes-vous quelle note donnez-vous à Kent Hughes pour les échanges de Monahan, Jacob Perrault et Jake Allen? Et vous avez en plus entendu le point de presse ou quelques brides en attendant de pouvoir passer sur votre segment. Je vais vous entendre à tour de rôle. Quelle note vous donnez A, B, C à Kent Hughes et qu'est-ce que vous avez pensé du point de presse? Je vais commencer avec Gilbert. Moi, je donne un B+. B+, écoute, même je te dirais B+ fort, là. Même A-, ça, on peut-tu? Hey, Gilbert, on n'est pas en rénovation avec des 7-3-8 forts, là. A, okay. B ou C? Ben, je vais lui donner un A. Bravo. 3-8 fort. 3-8 fort, c'est une demi. OK. On s'entend. Mais écoute, juste le fait d'avoir passé Jake Allen, moi sincèrement, je l'aurais donné. Prenez-les gratis, là. T'sais, arrangez-vous. Puis, là, c'est sûr que le Canadien va payer un peu du salaire et tout ça, mais en même temps, on reçoit un choix de 3, possiblement un meilleur choix s'il goal 40 games l'année prochaine. Je pense pas qu'il goal 40 games l'année prochaine, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que, tu sais, Jake Allen, j'ai rien contre, mais à un moment donné, là, c'est assez. Maintenant, à 3. Ben, non. Ben, c'est-tu quoi? À part de. Tu sais, il nous a rendu de fiers services. C'est un bon coéquipier. Il a pas fait de troubles. Je pense qu'il est un gars apprécié dans le vestiaire. J'ai pas de problème avec Jake Allen. J'espère que ça va fonctionner pour lui au New Jersey. J'y souhaite. Mais en même temps, moi, je pense que pour nous, pour le développement de nos gardiens en ce moment, c'est important que les gars jouent beaucoup. Puis, je suis bien content de la transaction. Très satisfait du travail de Kent Hughes. Anto, quelle note donnes-tu à Kent Hughes, A, B ou C, dans les échanges de Monahan, Jacob Perrault et Jake Allen? Et à la suite de ton écoute du point de presse, qu'est-ce que tu as à dire sur Kent Hughes et son travail? Ah, honnêtement, Martin, aucune hésitation dans ma tête. C'est un A, puis si je pouvais, ce serait A+. Pour toutes sortes de raisons. Écoute, Sean Monahan, on a eu notre prix, on a passé à l'action. Tu regardes dans les derniers jours, les transactions acheteurs, j'avais toujours l'impression que la balance, je pensais de leur côté. J'avais pas l'impression que les retours étaient tant satisfaisants. Kent Hughes a eu son prix. J'aime beaucoup Jacob Perrault.
un potentiel offensif qui est plus présent que Yann Michak. Yann Michak a quand même plusieurs joueurs dans le même moule à Montréal. Je trouve que c'est quand même un pari intéressant. Et que dire de Jake Allen, honnêtement? Moi, je faisais partie de ceux qui s'attendaient à voir Jake Allen être tout simplement racheté l'été prochain. Et en le rachetant l'été prochain, ça impactait la masse salariale de 2,3 millions et 700 000 pour l'an 2025-2026. Là, ça va impacter la masse salariale de 1,9 million et on est assuré de mettre la main sur un choix de troisième tour. Qui aurait cru ça possible, honnêtement, à Montréal? Ouais. Moi, je voyais pas ça venir du tout. Pendant même un certain moment durant la saison, je m'attendais à ce que le Canadien soit obligé de payer pour sortir Jake Allen de l'organisation. Je lève mon chapeau. C'est encore une fois un coup de génie sur toute la ligne pour Kent Hughes. Il y avait rien d'autre à vendre et il a trouvé le moyen d'être actif. Moi, je suis vraiment impressionné par le travail qu'il a effectué dans les derniers jours. Les deux, je vous trouve vraiment avec des petites lunettes roses quand même, parce que ce contrat-là, qui était une épine dans le pied, c'est quand même lui qui l'a donné. Pas grave, Martin. C'est pas grave. Et, si je peux me permettre, j'aimerais rajouter que si Kent Hughes récupère 50% d'un salaire dans une transaction, il va recevoir, si on se fait à ce qu'il s'est donné dans la Ligue, un quatrième choix pour retenir du salaire pour qu'une transaction entre deux autres équipes ait lieu. Il retient du salaire de son propre gars, puis il reçoit un 3, puis on crie au génie. Dans le fond, il a été capable de réparer son erreur, mais il va payer pendant 2 ans. Il va payer 1,9 million l'an prochain en retenue de salaire. Pour moi, là, je suis content. C'est au-delà de mes expériences. Pierre Lebrun, Mathias Brunet, plein de gens bien connectés. Le téléphone ne sonnait pas. Selon moi, on était chanceux que les Devils, ça ne fonctionne pas avec Mark Strom et qu'on a pris panique. Il n'y a rien qui sent plus fort la panique que ça. On a même congédié Lindy Ruff. Et là, on se réveille pour s'en va chercher un gardien but numéro 2 pour l'an prochain, alors qu'on échange Toffoli et qu'on abandonne pour cette année. Ouais. Chapeau à Kent Hughes, mais juste pas qu'on crie au génie. Il a quand même réparé sa gaffe à lui, là, tu sais. Oui, il répare sa gaffe à lui, mais moi, je crie quand même au génie, Martin, parce que si tu retiens du salaire comme le Canadien l'a fait l'année dernière pour Nick Bonino, ou comme ça a été fait à plusieurs reprises depuis le début de ces transactions, des équipes qui s'immiscent dans une troisième partie, oui, c'est vrai que tu vas aller chercher peut-être un choix de quatrième tour, mais tu as quand même Jake Allen sur tes livres à 3,85 l'année prochaine. Tu as quand même 3 gardiens de but dans ton organisation l'année prochaine. Là, en faisant le mouvement de la sorte, tu t'assures enfin d'avoir seulement 2 gardiens de but. Fait que j'aime vraiment mieux cette avenue-là. Fait que oui, j'ai pas peur de le dire. Moi, je crie au génie. Excuse-moi, Gilbert, tu vas comprendre ce que je veux dire. Je vais prendre un exemple que Anto comprend de sa génération. Tu as vu le film Aladdin? Ouais. Tu sais, quand il dit tu as 3 vœux, si ton premier vœu, c'est je veux un jaguar, puis il te fait apparaître un minou, puis tu dis ben non, l'auto. Puis là, il fait disparaître un minou, puis t'apparaît le char. T'as quand même perdu un vœu. Tu comprends-tu? Oui. C'est son erreur, le cash, tu sais. Anyway. On a eu du fun. Je pense pas qu'il y ait un gagnant dans cette chose-là. De toute façon, les deux, vous avez dit « Ah! » Vous êtes faits pour vous entendre. Wow. Messieurs, allons-y avec quelque chose d'un peu plus corsé. Patrick Roy, alors qu'il jouait pour 500, a maintenant 5 victoires de suite et maintenant 2 points, non seulement du Lightning de Tampa Bay et des Flyers de Philadelphie. Avec des matchs en main. Ouais. Là, FX a joué avec ma préparation. Je trouve plus mes questions. Voilà. Les Islanders vont se qualifier en série. Ouais. Absolument pas pantoute, Gilbert. Absolument. Ouais, absolument. Je pensais pas ça, je te dirais, il y a une dizaine de jours, mais là, avec les 5-6 victoires consécutives, ça va bien du côté des Islanders. Tout baigne dans l'huile, tout va bien. On a vu même Patrick hier essayer de donner une rondelle, là, puis rire derrière le banc, ce qu'il faisait pas à son arrivée. Ça a pris plus de temps que je pensais pour avoir le résultat attendu, peut-être, ou l'électrochoc. Mais là, je pense vraiment que les Islanders, ils se sont mis en marche. On joue de la façon que Patrick veut qu'on joue. On est efficace. On est moins permissif défensivement. On donne beaucoup moins de chance. Ça va bien du côté des Islanders. Ça va bien. Est-ce qu'on pique au bon moment? Ben, je comprends. Je comprends qu'on pique au bon moment. Puis, tu sais, il reste une vingtaine de games, 18 games, 19 games. Il fallait faire un push du côté des Islanders. On le fait. Puis, t'sais, ils ont pris confiance, peut-être qu'il n'y avait pas avant, puis même avec Patrick en arrivant, t'sais, des fois c'est réticent un petit peu les joueurs, puis de saisir les systèmes de jeu, qu'est-ce que le coach veut leur enseigner et tout ça, ça peut prendre un petit peu de temps, puis là ça semble être rentré dans l'ordre, on fait rien de mal, on fait tout bien du côté des Islanders, puis ça c'est...
pour la gang des Islanders, pour Patrick Roy, pour Lou, la Moriello, je pense que ça arrive, le timing est parfait. 514-790-0919 pour Gilou, 514-790-0919 pour Anto. Anto, Patrick Roy, après avoir joué pour 500, a maintenant remporté ses 5 derniers matchs et est à 2 points d'une place en série avec 2 matchs en main. Les Islanders vont se qualifier en série, absolument pas partout. Ouais, là, je pense qu'il y a eu une petite erreur parce que je suis du même côté que Gilbert. Moi aussi, je m'attends à ce que les Islanders participent aux séries éliminatoires parce que dans la métropolitaine, la plupart des équipes qui sont en compétition avec eux ont reculé. Les Capitals de Washington ont vendu, les Devils New Jersey ont laissé aller Tyler Toffoli, les Penguins ont laissé aller Jake Gensel. Et à ne pas perdre de vue les Flyers de Philadelphie qui, eux aussi, ont laissé partir Sean Walker. Donc, je m'attends à ce que les Islanders, qui ont quand même le vent dans les voiles, soient en mesure de se qualifier comme troisième équipe dans la métropolitaine. Ils l'ont remplacé contre Eric Johnson, ça marche pas? Non, je pense pas, honnêtement. Je pense que, honnêtement, t'as pas tort, là. Je te le donne. Dans les faits. Je pense quand même que les Islanders vont aller battre les Flyers. Oui, dans les faits. C'est mon erreur. Je prends le blâme à 100%. Donc, j'en garde une dernière pour vous, messieurs. La transaction d'Evgeny Kuznetsov en Caroline est complètement, mais complètement ridicule, Anthony. Ben oui, c'est ridicule. Honnêtement, j'ai bien de la misère, honnêtement, du point de vue de la Caroline. Tu sais, Martin, tu le sais, je suis beaucoup les espoirs à l'année longue. C'est une équipe qui a une banque d'espoirs tellement garnie. Ils ont été capables de soutirer Jake Gensel en donnant pas grand-chose. Chapeau à eux. Mais après ça, ils sont pas capables d'investir pour aller chercher un joueur élite. Au final, c'est une équipe qui a une fenêtre réaliste pour la Coupe Stanley, puis on préfère aller chercher l'option à rabais du dollar à moi d'Evgeny Kuznetsov qui a des problèmes présentement, qui c'est une boîte à surprise, c'est pas tout ce qu'il va te donner, à la place d'investir réellement quelque chose pour aller faire chercher un joueur qui va faire la différence. Fait que oui, pour moi, c'est une transaction qui pourrait être un problème à long terme, puis je serais pas surpris que Rod Brind'Amour, après quelques matchs, décide de faire un peu un Tomáš Tatar avec les Golden Knights de Las Vegas, puis dise, tu peux aller t'asseoir dans les gradins, on va passer à autre chose. Et ça sera Drury ou Kotkaniemi deuxième centre, tandis que t'as Vegas, qu'eux autres ont dit, nous autres, on met le paquet pour un gars qui reste 6 ans en Thomas Hurdle. Exact. Exact. La transaction d'Evgeny Kuznetsov en Caroline est complètement ridicule. 514-790-0919, 514-790-0919, Anto ou Gilou. Gilbert, la pas transaction. Pantoute. Pas pantoute, pourquoi? Parce que Kuznetsov, là, c'est beau. Oui, il y a eu des problèmes et tout ça, mais oubliez pas, les gars, que quand les Capros ont gagné la Coupe Stanley, il a été un rouage très, très, très important. C'est un gars qui a de l'expérience, c'est un gars qui a du vécu. On est allé chercher Gensel, qui a gagné une Coupe Stanley aussi en 2017, je pense, avec les Pingouins, lui. C'est important, ça, au sein d'un club. Puis Kuznetsov, écoute, à un moment donné, là, on prend une chance. Je vous le donne, on prend une chance. C'est une boîte à surprise. Mais si jamais il est capable de jouer du bon hockey pendant 2 mois ou 3 mois, on va se frotter les mains du côté des Hurricanes de la Caroline. C'est un excellent joueur de hockey. Si je ne me trompe pas, c'est lui qui a marqué le but gagnant contre les Penguins de Pittsburgh en supplémentaire quand les Capitals ont gagné la Coupe Stanley. Je pense que c'était dans le match numéro 7 en plus. C'est un gars qui peut se lever. Il peut être un gars de grandes occasions. La seule affaire... il a tous les outils la plupart du temps, mais il manque la boîte à outils souvent. T'sais, souvent le moteur marche, mais il n'y a pas personne en arrière du steering. Fait que, mais si on est capable, si Rod Brind'Amour, si Jeff Daniels, assistant coach, est capable de lui rentrer dans la tête, puis de le tenir serré, moi je pense que ça peut être un atout pour les Hurricanes de Caroline. Moi, je peux pas croire que quand tu gères une business de 4... Puis mon opinion vaut pas 5 cents, je vous donne 10 secondes de plus pour voter. 514-790-0919. Je peux pas croire, moi, que quand on gère une business de 83 millions puis qu'on y va pour les grands honneurs, on a des petits bras de crocodile puis on veut pas payer pour aller chercher un vrai joueur de centre. Exact. Mais connais des joueurs de même, hein? Ah oui? Ah, des joueurs de même, vas-y, une affaire, cette année, en arrière du bar, payer jamais la traite. Ah, prends. Ah non, mais vas-y, une affaire, des razor blades, on appelle ça des lames de rasoir dans les poches. Tabarouette. Ah oui, mais c'est exactement ce que les Hurricanes ont fait, puis c'est dommage, puis t'as vu, ceux qui disaient qu'il n'y avait pas de centre, Vegas était au courant que Hurtle pouvait partir. Ouais. Puis sais-tu quoi? Il n'y a rien que Vegas a donné que la Caroline n'était pas capable de donner. C'est vrai. Mais reste à voir. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Écoute. Hey, étant donné que vous étiez d'accord sur tout, à part la dernière question, ce sera la dernière question qui décidera qui l'emporte fixe. Et c'est Gilbert qui l'emporte. Les gens sont prêts à prendre le pari. Evgeny Kuznetsov, il trouve que c'est une bonne idée en Caroline. Gilbert, ben, ouais, t'es surpris. T'es chanceux.
Moi, avec. Mais, regarde, tu sais jamais. C'est un gamble, je vous le donne, les gars. C'est un gamble, c'est une tête folle, c'est un épais. Mais c'est un... Non, non, mais il y a du talent, pareil, le gars, là, tu sais, mais... Hey, en plus, j'ai pensé à toi, parce que quand j'ai parlé de lui, là, Gilbert, j'ai même dit... Souvenez-vous les photos avec la coke sur la table. Ouais. Après ça, là, cette année là, que je l'ai vu jouer au hockey, c'était lamentable. Il se traîne. Gilbert Delhomme aurait dit « C'est un fat cat! » Ouais, mais c'est un gamble, mais c'est un joueur qui, pour deux mois... C'est un gamble qu'on peut prendre pour deux mois. Okay. Je te dis pas qu'on va le garder l'année prochaine. Là. Peut-être qu'on va le sacrer de voir couper dans le cul aussi. Là. Mais c'est ce que ça je m'attends. Ça se peut. Ça se peut très bien. Mais écoute, du côté des Hurricanes, c'est Rod Brind'Amour, c'est un gars qui est intense. C'est un gars qui a joué la game longtemps. Peut-être qu'on va être capable d'y rentrer dans la tête. Peut-être. Peut-être. Puis si c'est le cas, ben tabarouette, tu sais, va chercher la dernière goutte qui reste dans le citron, puis après ça, tu le colliras d'un vidange. C'est pas plus grave que ça. Non, non, mais Martin, c'est ça. Là, si tu es capable d'aller de gagner une Coupe Stanley ou d'être en finale avec ce gars-là, puis tu sais, l'année prochaine, on verra. Là. Les tout. Gars, vous avez été génial, d'autant plus que c'était une longue journée pour tout le monde, une longue semaine avec toutes les transactions, les deux matchs du Canadien. Un énorme merci. Bon week-end, reposez-vous. On vous écoute lundi dès 6h dans le Club du matin. Anthony Desaulniers, Gilbert Delhomme, merci beaucoup. Salut les boys! Yes! À 17h18, c'est fait. Nous avons une autre finaliste qui pourrait faire beaucoup d'argent. Emma Pétrin a téléphoné dans la minute qu'on a donné les numéros de téléphone. Elle avait bien et bien le numéro du billet gagnant, 898. Soyez là lundi pour un autre ou une autre finaliste pour notre superbe concours billet de saison CF Montréal. Ici, tous les coups sont permis. Vous êtes dans l'octogone. Oui, dans l'octogone, et je vous dirais que ça a même commencé dans les corridors. Avec l'échange de Jake Allen, le Canadien est maintenant avec un duo composé de Samuel Montembeau et de Caden Primeau pour l'an prochain. Êtes-vous à l'aise avec le duo Montembeau-Primeau pour l'an prochain? Absolument pas pantoute. Je commencerai par Ben. Non, moi, tu viens de déposer la pièce de viande sur la table. Je suis en train de la humer. Je préfère que mon ami FX se sustente. J'ai réfléchi, parce que faut dire que Ben et Martin ont eu l'argument à l'extérieur des ondes. FX ne s'est pas commis encore. Mais là, je me commets. Ça fait plusieurs mois que j'arrête pas de dire que pour moi, le ménage à trois devant le filet, ça n'a aucun maudit bon sens. Oui. On doit mettre fin à ça. Et là, on a réussi à le faire avec la transaction Jake Allen. Et pour moi, je suis satisfait avec le duo Montembeau-Primeau, en vue de la fin de la saison, bien sûr, mais en vue de l'an prochain pour les 82 matchs de l'équipe. Je ne sais pas à quel point on va se départager les rencontres entre ces deux gardiens de but-là. Il va en avoir plus pour Samuel Montembeau, c'est clair. Mais enfin, Primo, je pense qu'avec les matchs qu'il nous a donnés cette saison, a prouvé qu'il avait l'étoffe d'un deuxième gardien dans la Ligue nationale, ou du moins a prouvé qu'il méritait cette opportunité-là. Et moi, je suis bien satisfait avec ces deux gardiens-là, parce que de toute manière, je suis le seul ici qui n'avait pas de problème à ce que le mot en P, playoffs, ne soit pas mentionné au prochain tournoi de golf du Canadien. Alors pour moi, ce ne sont pas de toute façon les deux gardiens de but qui vont mener le Canadien à remporter éventuellement une Coupe Stanley. Êtes-vous à l'aise avec le duo Primeau-Montembeau en vue de la saison prochaine? Absolument pas pantoute, Ben Roger. Pas pantoute. Je suis à l'aise avec Sam. Sam qui a une bonne saison. Hein? Sam a même été excellent cette année. On va se le dire. Caden, surprenant. Caden a été bon. Pas excellent, il a été bon. Surtout que dans une rotation à trois gardiens de but. Moi... Dans un monde idéal, Sam serait deuxième, puis on aurait un vrai premier. Puis Caden serait avec le Rocket. Ça, c'est mon monde idéal à moi. Mais bonne chance, Caden, pour qu'un jour, il puisse faire sa niche comme deuxième dans la Ligue nationale de hockey. Mais pour l'an prochain, encore, je pense qu'on s'en jasait. Et Fix vient d'en parler. Et bon, moi, sérieusement, au tournoi de golf... Si les hautes instances du Canadien n'ont pas suffisamment de couilles pour dire « Là, on vise une place en série, on va se battre pour ça. On va tout faire pour atteindre les séries. » Si tu les atteins pas, c'est pas grave. Il peut arriver toutes sortes de pépins en cours de route. Mais aie au moins le guts de dire que tu veux atteindre ça.
OK? Moi ça, là, ça, j'attends ça de pied ferme. T'es en train de changer la question? Non, j'attends ça de pied ferme. Alors, je suis à l'aise pour que le Canadien se batte farouchement pour une place en série avec ce duo-là l'an prochain, le temps que on ait un vrai premier. N'en déplaise à Sam, que j'aime beaucoup. Mais t'es là. Pas satisfait de ce duo-là en vue de la prochaine saison? J'ai pas confiance en Caden. Même s'il a été bon cette année, là. Vas-y, mon Martin. Non, toi, je sais que Caden, je sais pas ce qu'il t'a fait là, dans le noir. Là. Visiblement, t'as aimé ça. Absolument. Est-ce que je suis en confiance avec le duo Montembeault-Primo la saison prochaine? Je vais même répondre à ta deuxième question, ta deuxième interrogation, Ben. Est-ce qu'ils auront les couilles pour dire qu'ils voudront participer aux séries? D'après moi, ils vont dire « on s'y rapproche ». Et on espère compétitionner pour une place en série. J'espère. Après, c'est ce qu'ils vont dire. J'espère que ça te satisfera en disant on se rapproche. Samuel Montembeault, c'est pas encore parfait, mais c'est amplement mérité d'avoir la position de gardien de but numéro un. Mais pas un numéro un, il va nous en jouer 60 puis l'autre va nous en jouer 22. Non. Caden Primo, avec ce qu'on lui a donné cette année, a fait taire tous ses détracteurs, incluant l'homme assis à ma gauche, Benoît Roger, qui n'a aucun argument pour renier les performances de Caden Primo, qui lui a joué entre 10 et 14 jours entre chaque performance, même des fois des vingtaines de jours, et qui a montré un solide que plusieurs ne lui reconnaissaient pas. Donc l'an prochain, je vous dis pas que ça va être Hallmark puis Swayman, c'est pas ça que je vous dis pantoute. Mais si Caden Primo arrive d'un blanchissage, on sera dans un duo de gardien but où il sera correct pour Caden Primo d'avoir le second départ. Puis que dans une semaine, 10 jours, qu'il y a 5 matchs, mais ça sera 3 Montembeault, 2 Primo. Si les performances sont là, 3 Montembeault, 1 Primo, je vais être excessivement confortable avec ça parce qu'avec cette défensive qui sera meilleure l'an prochain, les deux gardiens ont au-dessus de 900 de pourcentage d'arrêt. Dans le cas de Primo, c'est encore plus valorisant parce qu'il a fait ça avec 13 départs, Ben. Voilà, absolument. Non, je lève mon chapeau. Il a été bon dans les circonstances, mais... Octobre, novembre, décembre, janvier, février, on commence mars. Ça veut dire, Ben, là, que Primo a joué 2 matchs par mois depuis le début de l'année. Absolument. Et il a réussi à nous convaincre qu'il était prêt. Et l'an prochain, ça sera encore plus une version améliorée de cette année. Je n'ai aucun problème avec le duo Montembeault-Primo. Mais notre numéro 1, là, il s'en vient, il a 19 ans, puis il est avec Boston College. Hey, on vient de parler pendant la pause, c'est, de ne pas faire ça. C'est lui qui va être le prochain numéro 1 du Canadien de Montréal. Tu vas faire Jacob ça, Fowler. Tu vas faire ça. Là, comme les plus imbéciles que j'ai connus, tu vas crier pendant 4 ans, « C'est lui le prochain! C'est lui le prochain! » Non, mais attends une minute. Regarde, on a regardé ses stats pendant la pause, là. Je pense que c'est le prochain gardien numéro 1 du Canadien de Montréal. Jacob Fowler. Il n'est pas juste bon. Il a une bonne tête en plus. Ah oui, c'est un brillant. Tu l'as raconté. Il y a eu un docu qui a été fait, puis on l'a interviewé, on l'a interrogé, puis tout le monde a fait comme hey, ce gars-là est complètement renversant. Là. Les hautes instances du Canadien le trouvent déjà brillant au-dessus de la moyenne, au niveau de sa façon de penser la game. Jacob Fowler. Fait que là. Au même chapitre que les plus imbéciles. Merci de me traiter de cave, j'adore non, ça. Non, je te traite pas de cave. Là. J'ai dit qu'il y en a qui ont été assez imbéciles pour prédire des carrières pendant 4-5 ans alors qu'on le savait tout. Puis là, toi, tu vas nous commencer ça pendant 5 ans à dire à tous les jours, Fowler... Non, pas tous les jours! On parle de gardien de but, là. Je peux te le nommer? Moi, je pense que c'est le prochain gardien numéro 1 du Canadien de Montréal. Puis je pense. Il y a 19. Je vais t'accuser également d'avoir une obsession à dire le mot docu tout beaucoup trop souvent. Mais de quoi? C'était pas docu, là. C'était un reportage sur le repêchage du Canadien. Il y a un 3 minutes là-dedans qui est sur Jacob Fowler. C'est un docu. C'est un super docu. Reviens-en, là, docu. Ouais, c'est ça. T'as le chou. Ah ouais, tu me tapes sur le chou. C'est réciproque, mon chum. Mais écoutez, sérieusement, l'an prochain, c'est parfait. Hein, comme dirait Gilbert, Montembeault numéro 1, Caden numéro 2, mais ce ne sera pas ça quand le Canadien va aspirer aux grands honneurs. 514-790-0919, 514-790-0919. Êtes-vous confortable avec le duo Montembeault-Primo? Hey, ce serait bien le bout de la map. Qu'est-ce qu'il y a? Que les gens
on s'est tous plaints du ménage à trois. Là, on arrive à deux, puis là, on chiale qu'on n'est pas content du duo. Ça serait le bout. Ouais, ça serait, j'ai hâte d'entendre les gens. 514-790-0919, 514-790-0919. Ça compte pas, mais sur la messagerie texte, il y a quelqu'un dans le 418, un de nos fidèles auditeurs de Québec, tabaslac, c'est rare en motadine, mais là, je suis totalement en désaccord avec Ben. Pourquoi? Là, tu vas aller, Jacob Fowler? Non, c'est pas sur Fowler. Hey, commence pas avec Fowler, il va te lancer une souris par la tête. Une souris? Ouais. As-tu des souris en studio? Non, des souris d'ordinateur. OK. On y va-tu au téléphone? Allons-y. BPM Sport, allô, à qui on parle? On y va pour un 3 de 5. Pardon? Tag, P-A-G, tag. Salut, Pag, P-A-G. Es-tu... Non, t'es comme ça va. OK, tag, on joue à tag, parfait. Vas-y, tag. Ben, écoute, moi, je considère que pour l'instant, c'est ce qui est le mieux pour le gardien. Mais moi, ce que j'aimerais apporter comme point, je pense qu'on a une bien meilleure défense qu'on peut se voir à l'heure actuelle. Parce que je pense pas que c'est les défenseurs, mais bien le système qui est aux défenseurs. Tag, la question, es-tu confiant avec les deux gardiens de but qu'on a en ce moment pour l'an prochain? C'est ça la question. Oui ou non? Ben, pour l'instant, j'ai pas le choix parce que... Oui ou non? Tag, oui ou non? Oui, parfait. Merci, Tag. Bon week-end. On y va comme ça en rafale, on y va vite. Hop, BPM Sport, allô, à qui on parle? Ça, c'était vite, ça. Allô, tu parles à Joe? Salut, Joe. Confiant ou pas avec le tandem de gardien pour l'an prochain? Pas vraiment. J'ai zéro confiance en Primo depuis le début de sa carrière. Fait que j'ai confiance en Montembeau, mais il faudrait un autre auxiliaire à un moment donné parce que Primo, là, non. Tu viens de faire de la peine à Martin. Là. C'est 1-1. Ouais. Merci. Désolé. Merci, mon chum. Pas de souci, on s'aime pareil. Ben oui. Mais PM Sport, allô, à qui on parle? Marc-Olivier. Marc-Olivier, confiant ou pas avec le tandem de gardien pour l'an prochain? Très confiant. Enfin, Kevin Primo va avoir sa vraie chance. Très heureux du duo. Très confiant. Excellent. Merci. Bon, alors c'est 2-1 pour confiance. Mais PM Sport, allô, à qui on parle? GF. GF, confiant ou pas? 100%. Je pense que Montembeau, on parle de lui en bien avec la défensive qui est jeune. Fait que juste en vieillissant avec la même dette, ça va être mieux. Puis Primo, pareil. OK, parfait. Ben alors, là, c'est merci beaucoup. Merci alors, beaucoup. Vous gagnez, c'est 3-1 pour la confiance. Mais, moi, mais on gagne humblement. Il n'y a personne qui drop de main quand TFX et moi. On fait non. Pas « Ah, je dis ça va ». Non, mais je continue au téléphone. VPM Sport, là, à qui on parle? Est-ce que Jacob Fowler est le prochain numéro 1 du Canadien? Je te jure, commence pas ça pendant 4 ans. Parce que... 4 ans! Il va être dans le show bien avant ça. Oh, il a 19 ans, il est dans le show dans 2 ans. Tu méprises. Dans 2 ans. Va, vas-y. Une bonne tête. Ouais, c'est ça. Il est bon. Sois patient. Il est écœurant. Hein? Sois patient. Elle adore Jacob Fowler. OK. On peut-tu faire la pause? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on mange? Ça s'en vient aux alentours de 17h45. Vous pourrez nous envoyer vos messages tech. Greg Langto également s'en vient. Mon retour, Pierre Dorion. Suivez en temps réel le marché des transactions sur nos pages Twitter, Facebook et Instagram. Les rumeurs, les prédictions, les confirmations.
directeur gérant. Bon, c'est une...
Et le directeur gérant actuel du Canadien, quelle note selon nos internautes FX? Il a une note de A pour la date limite des transactions suite aux échanges de Monahan, Perrault et Monahan, Michak et Allen. Alors, note de A pour notre directeur général à 65,6 et après ça, on a B avec 28,9 et C à 5,6. Alors, les auditeurs sont contents des transactions effectuées par le DG du Canadien. Lune de miel. On est dans la lune de miel encore. On est encore dedans. On est encore dans la lune de miel. Ah oui. Ouais. Ah oui. On aime ça. Je te gage que, présenté par Bet99.net. Tous les matchs commencent sur Bet99.net. 514-790-0919, 514-790-0919, c'est maintenant le moment de texter. Qu'est-ce que vous mangez ce soir? On sait que FX, son passage de poulet... poulet, brocoli. Riz, brocoli, ça c'était hier. Ça c'est passé. Ouais. Fait que là, on devrait avoir quelque chose d'original. Greg Langton, salut! Salut les boys, comment ça va? Ça va toi? Ça va très bien, merci. Greg... des matchs commencent à 21h, tant mieux pour les gens qui vivaient difficilement avec la date limite des transactions. Au moins, les matchs commencent plus tard ce soir. La bande d'André Tourigny va recevoir les Red Wings qui ont été tranquilles lors de la date limite des transactions. Oui, j'espère qu'André me pardonnera cette prédiction. En fait, dites-y pas que je suis allé de ce côté-là, mais je vais prendre les Red Wings ce soir sur la route pour l'emporter. La cote est à 1,74. Je commence à sauter un peu dans le bandwagon des Red Wings. Je ne sais pas pour vous, les gars, mais une belle jeune équipe de... Ça fait du bien de les revoir comme ça, dominer. Et j'espère qu'ils feront partie des séries. Je vous avais donné la cote en début de semaine pour qu'ils fassent partie des séries éliminatoires. Et même que j'aime beaucoup la cote de Détroit pour l'emporter par 2 buts. Donc le moins 1,5 qui est à 2,7. On sort d'une défaite contre l'Avalanche du Colorado. On a perdu 7-2 au dernier match. Alors on voudrait certainement se reprendre. Et malheureusement, ben, ça tombe sur les Coyotes de l'Arizona. Ça sera pas long, je t'entends envoyer un courriel à André. C'est bon, tu diras que c'est de ma faute et je me confondrai en excuse la prochaine fois. Dallas Anaheim et non pas Anaheim. Oui, Anaheim. Les Mighty Ducks. Non, faut dire les Ducks. Les Ducks. Moins de 6,5 buts dans le match. J'aime la cote à 1,8. Ça me surprend aussi parce que les Stars ne marquent pas énormément de buts. C'est une belle et bonne équipe posée balancée, mais c'est pas une machine offensive non plus. Puis ils n'en accordent pas vraiment beaucoup non plus. Et les Ducks sont une des pires attaques aussi de la LNH. On sait qu'on est diminué par les blessures avec deux de nos meilleurs attaquants, sinon les deux meilleurs attaquants qui sont blessés. Alors je vais avec une victoire des Stars à 1,31. J'ai étudié la cote pour moins de 6,5 buts qui est à 1,8. Bref, je la répète sinon. Mais je pense que la victoire des Stars, c'est assez sécuritaire aussi à 1,31. Je peux pas te dire si tu l'as dit. Moi, j'ai arrêté d'écouter quand tu as dit « C'est une équipe bien posée, balancée. » Je me suis dit « D'après moi, il vient de changer ses tires. » Non, j'ai encore mes pneus d'hiver, mon cher ami. Winnipeg, Seattle. Ouais, Winnipeg, Seattle. Deux équipes qui vont super bien. Seattle a recommencé à gagner. On a gagné 7 de nos 10 derniers dans les deux cas. Mais les Jets sont un peu des Road Warriors là, depuis le début de la saison. Puis le Kraken n'est pas si fort à la maison. On joue pour à peine plus de 500. Alors, je trouve que la cote des Jets pour une victoire à 1,8 est assez audacieuse parce que, tu sais, d'après moi, on met ça un petit peu plus élevé parce que c'est sur la route. Mais quand même, j'aurais tendance à donner l'avantage à l'équipe de Winnipeg qui va peut-être être un petit peu plus motivée. Là. Peut-être que je m'en vais dans des clichés du sport, là, mais de savoir que Tyler Toffoli s'en vient aussi. Peut-être que ça va les motiver un petit peu extra ce soir. Alors, 1,8 ce soir sur Bet99. Et c'est mon Bet99 du jour. Merci beaucoup, Greg. Bon week-end. On se reprend lundi. Merci, messieurs. Salut. Salut. Des boulettes suédoises. Burger. Bonne idée. Un petit peu de blé d'Inde. Je vais peut-être changer ça. Mais ben non, je vais remettre des champignons. Bon. Non, mettons des champignons. Il y en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Hamburger steak. Il y en a qui fument des petits bouts, moi je mange. Spaghetti. Il y en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. J'aime mieux rester dans ma cuisine, puis je mange. Dis bon, je veux manger des boulettes suédoises. Non, tu ne rembordes jamais. Jamais. Bonne soirée, bon match. Je trouve ça cool. Burger, spaghetti. Oui, c'est cool. Ben, qu'est-ce que tu manges ce soir? Je me suis laissé inspirer par un article que j'ai lu un peu plus tôt aujourd'hui, tiré du Boston College Magazine. C'est vrai que Jacob Fowler aime beaucoup le saumon. Alors, je me suis dit, pourquoi pas un petit saumon ce soir? Madame qui nous propose donc un saumon grillé sur son nid feutré, accompagné de fettuccine Alfredo gratiné.
C'est bon, ça? Aïe, aïe. Moi, je mangerais le fettuccine Alfredo gratiné. Mais pas le saumon. Surtout que je sais pas sur quoi qu'il est couché. Là, t'as dit un lit feutré. Un petit nid feutré. Ça, c'est du riz, là. Ah, OK. Le riz est feutré? Oui. Après moi, tu te donnes juste un genre. Ben, moi, j'ai vu ça dans un docu, là. Comme toi. T'as absolument chou. FX, qu'est-ce que tu manges? Je descends ce soir à Victoriaville. Oh! Oh! Et je vais me prendre quelque chose sur le chemin. Peut-être un bon McDo. Je pense que ça s'enligne pour être un McDo. Un petit McDo sur le pouce. Ouais. À quelle hauteur tu vas te ramasser ton McDo? Ça dépend à quel point j'ai fait. Saint-Hyacinthe? Ah, ben en fait, probablement, parce que c'est quoi? C'est environ 45 minutes. Ouais, probablement. Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe est à 30-35 minutes. Tu manges en voiture? Absolument. 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 Prends-tu en trio? C'est quoi tu prends chez McDo? Hey, j'ai beaucoup de questions sur mes commandes de McDo. En fait, au McDo, je prends... Souvent, je le prends en trio. Alors, c'est-à-dire, je prends un McDouble. Ben oui. En trio, mais avec une poutine buffalo épicée, poutine poulet croustillant. En chauffant un char, une poutine. Ben non, ça va. Fais pas comme Martin Lemay qui mange des soupes à 15. Ben, une poutine... Tu conduis avec tes genoux, ça se fait très bien. Ouais, sur l'autoroute. Ouais, ouais. Bon. Et toi, Martin Lemay, que manges-tu ce soir? Hier, tu t'es payé la traite en masse? Non. Tu t'es fait payer la traite. Oui, on m'a fait payer la traite, mais j'aimerais mieux ne pas en parler. Ben oui. Ce soir, on va revenir à ce que je connais de mieux. À la base. Hein? Un restant de macaroni. Et madame prend la peine de dire « je m'excuse ». Hop! Je vais pas t'excuser, Julie, il adore ça, des restants de pâtes. Ouais, ouais. Mets-y bien du gratinage là-dessus. Du gratinage. D'ailleurs, l'autre fois, quand j'avais dit ça en onde, t'aurais dû voir la couche de fromage qu'elle avait mis, juste pour me dire, je t'ai écouté. Écoute, je pense qu'il y avait un demi-pouce de fromage. Trois pouces de fromage. Bon, moi, je t'exagère un peu. Messagerie texte. Il y a un auditeur, Max Sir, qui nous écoute et qui nous écrit pour nous dire « Demande à Martin Fix ce qu'il mangerait entre une poutine et une pizza. Ce sera mon souper ce soir. » Vendredi, c'est très pizza. Ouais. Ouais, pizza? Un vendredi, c'est très pizza. Bon, Mike, pizza ce soir pour toi. Et même, Mike, parce que j'ai vu ça tantôt passer, je rajouterais « Moi, je bois que de l'eau dans la vie, OK? Puis du lait. Je bois pas de liqueur, je bois pas d'alcool, je bois pas de bière. C'est un gars plat. Ouais. » le seul temps, je vais boire une liqueur, root beer ou Pepsi, Coke, peu importe, c'est en mangeant de la pide. Je trouve que ça aide à te gérer. Tu sais, l'expression « tu rotes ta pide », le Pepsi me fait ça. mais moi aussi, ça m'arrive par contre. C'est soit t'es glacé, plus ou moins pitiant, mais quand même. T'es glacé ou... Attends, tu dis t'es glacé, c'est plus ou moins pitiant. Non, je te dirais que ça l'est pas par tête. Si tu mets pas de gaz, il y aura pas de pétille. Ouais, crème soda, j'aime beaucoup crème soda. Ah, tableau de bord, c'est bon. Ah, c'est bon. Mais il y a beaucoup de poutine et de pizza sur la messagerie texte. Félix, un roteux et poutine pour souper. Ouais. On a un auditeur qui s'en va à Place Belle ce soir et qui va manger une poutine à la Place Belle. Ah oui? Ouais, c'est Joe qui mange une bonne poutine pour le match du Rocket contre les Monsters de Cleveland. Ghislain mange un osso buco. Osso buco, oui. Ça, je sais pas c'est quoi. Ça, c'est une pièce de viande avec un... Toi, t'aimerais pas ça parce qu'il y a un gros os, là. Faut que tu gosses avec l'os, là. Dan va manger du sushi. Oui, Alain de la soupe au tortellini. Jeff Nacho. C'est pas écrit tortellini, là. C'est marqué tortinelli. Les tortinelli? Une soupe au tortinelli? Je sais pas c'est quoi, tortinelli. Moi non plus. OK. D'après moi, il s'est enfergé dans son clavier. Ouais, je pense. Jean-Marc, la base. Spaghetti sauce catelli. Ah, calvasse! Sauce Catelli! Ouais, il te fait fort. Ça part fort la fin de semaine. Non, Jean-Marc. J'ai aimé manger beaucoup de sauce Catelli. Puis quand madame est pas là... Ah, ouais! Petite canne de sauce Catelli. Et tableau! Toi, tu vas me dire à moi que tu vas te faire une sauce à spaghette tout seul dans ta cuisine? Non. Voilà. Non, mais je veux dire, je vais me passer d'un spag si jamais j'ai pas de sauce prête à la maison. C'est madame qui fait la sauce à la maison. Et c'est ce que je disais. C'est ça. Non, moi, je l'achète, la sauce. Oui, c'est vrai, à ce temps, dans les épiceries, il y a des sauces, en guillemets, maison qui sont faites. Oui, sauce Mike, sauce... Il y en a plein, là. Non, il y en a plein. C'est plus achetable. OK, je pense qu'on est dans son champ. Je pense qu'on est en train de... On pense que la fin de semaine est... La fin de semaine frappe à notre porte, on y va-tu? Et voilà. Merci beaucoup, Ben. Merci, Martin. Merci, FX. Merci, chers auditeurs, auditrices. Merci, Amélia. Merci, Pag. Merci, toute la gang ici à la station. Merci, Chuck. Merci. Merci à vous, auditeurs précieux de BPM Sports. Salutations à vos mères, quelle heure vos enfants. On sort pas. Hey, oubliez pas de changer l'heure. Oui, on change l'heure, on avance l'heure. Non. On perd une heure de dodo, mais on gagne une heure de clarté. Voilà. J'ai vu ça dans un docu quelque part.